entend mon ventilo, je pense qu'on entend. On se dit, quel est ce bruit infâme? Bah. Qui c'est qui stream pendant que je suis pas là sur mon compte? C'est cassé, c'est cassé! Chut! Serziot! On entend mes messages. Ouais, on entend un peu quand même. Hein. Bon, je sais pas ce que je vais faire. C'est pas grave. Je vais faire avec. Sinon, je l'éteins. Mais je vais avoir trop chaud si je l'éteins. Des gens, putain, merde. Bonjour, les gens qui arrivent par hasard, j'espère. Mais voilà, je lance un message et j'arrive. Ah, Jalix, voilà, coucou. Et White Mask. Par hasard? Comment ça, par hasard? Comment allez-vous les gens? Ça y est, j'ai lancé mon petit truc. Ah, j'appuyais pas du tout sur le bon bouton, ça c'est pas bien, ça c'est vraiment... Je stop. Oh là là, il y a les abonnements qui se mettent en route. Alors on m'a expliqué les abos, j'avais rien compris moi. Donc Mimoui qui a un abonnement de niveau 2, ah, mais t'es niveau 2. 6 mois d'abonnement, yeah! Les 6 mois! Et bonsoir! Et Mystix! 6 mois toi aussi! Putain, les vrais qui sont là depuis le début! Et Gringo, coucou! Est-ce que vous entendez mon ventilateur? Est-ce que le bruit est désagréable? Parce qu'en fait, j'ai chaud. Et donc, il y a un truc qui souffle. Mais j'ai peur que ça soit chiant. Si c'est chiant, je vais le couper, mais je vais avoir chaud. Et ne dites pas oui exprès pour. un bruit blanc, c'est-à-dire, c'est quoi un bruit blanc? Un bruit de fond, quoi. Hé, hey, Oli, ta wing, wing n'a pas marché. Ça s'entend pas. Ah, cool, comme ça, je vais pas mourir. Parce que vivre sous les toits, c'est comme ça. On adore. Vous entendez pas. Bon, en tout cas, merci les abonnés, là. 6 mois que vous êtes abonnés, et je fais 3 streams, et maintenant, je fais que des streams sur Genshin Impact. Vous avez vraiment bien choisi la personne à supporter sur Twitch. C'est très gentil. Ça me fait rire. Ah voilà, Oli, tu as mieux réussi ton smiley. La pastèque qui vole. Beaucoup mieux. Et oui, parce que on est déjà en juin et le mois de juin est déjà terminé. Non, c'est pas une queue de cheval, c'est une coiffure d'été. Ringo. Je veux pas que là il y a un ballon de plage. Bon, alors évidemment, tout est tombé au moment où j'ai lancé le stream. Mon ballon est tombé, j'ai fait comme ça. Ah, le ballon, la plage. Donc un ballon de plage en forme de pastèque. Des pastèques. C'est pas bien, je tourne un peu ça par là en fait. Délicatement. Une lumière d'ambiance parce que j'en ai marre d'avoir la grosse lumière là qui m'ébouille trop. Qu'est-ce qui se passe? Le train de live? Non, mais c'est pas possible! Comment ça le train de live est lancé? C'est Oli! À partir du moment où il a appuyé sur un bouton, il a fait Abo Prime, 4 mois d'abonnement, merci Oli, et bam, ça a lancé le train de live. Merci Gringo, si ça me va bien, ça va. Demain c'est son anniversaire, White Mask. Un vieux monsieur, ouais, on sait que t'es la jeunesse éternelle ici. Hein. À cause d'Oli. Oupsie. <dit. rire> Mais non, mais train de live 22%. Hein. Comme on dit à chaque fois, ça ne sert à rien le train de live. On ignore le train de live. C'est rigolo, ça me stresse à chaque fois, donc je trouve que ça vous fait rire. Mais c'est tout. Mais du coup, joyeux anniversaire à White Mask. White Mask qui est au Japon, parce que j'ai des viewers japonais, moi, attention! Donc qui regarde à pas d'heure au lieu de dormir. C'est ça qui est rigolo. Ouais, Calveros, Vanillil, Bisonours, tout le monde est là! Coucou!
Ça te débloque des émotes. Ouais, mais t'as vu les émotes à chaque fois, je les vois, c'est. C'est des trucs genre un mec qui casse une porte. Peut-être c'est bien, mais. Ah, le Yoshi. Et la Miomni. Ah, ben voilà, il y a une personne d'Hong Kong, une personne du Japon. Le stream international, les amis. Et des autres de France. Vous êtes moins originaux, les autres. Et oui, t'es VIP Vanille, bien évidemment. Oh, Calveros, il a une émote très, trop mimi. Chevalier de la nuit. Bah écoute, Wine Mask, la Miomni n'est pas très loin du coup. En termes d'horaire, vous êtes plus proche. Hong Kong, Japon, il doit y avoir quoi? Peut-être 1 heure, 2 heures de différence, même pas. Des animaux qui servent à rien. Ah, magnifique chien, Wick Wick, effectivement. Ah! Le train de live continue d'augmenter! Les cheers, je me rappelais même plus qu'il y avait ça dans Twitch. D'ailleurs, Twitch m'a envoyé un mail pour me dire qu'il y avait des trucs qui allaient évoluer. Et du coup, je comprends. Déjà que je comprends rien, je vais être encore plus sérieux. Merci, la Miamni, pour les petites cheers. 100 cheers quand même. En plus, ça bouge. Ça m'hypnotise parce qu'il y a un truc animé. 2h10 du matin en Japon? Ah, 1h d'écart, 1h10 à Hong Kong. Regardez les petits gars du bout de la terre là, c'est trop drôle. Ah voilà, des émotes. Putain, mais Mick Mick, t'as trop suivi! Des émotes animées à créer! Mais jamais je vais faire ça. Vous croyez que j'ai le temps de créer des émotes animées? Déjà, j'ai mis 4 heures pour faire une pastèque, un kumamon. Et j'étais là, ah! Et des taiyaki, je suis wouh, j'ai fait du travail! Donc, vous croyez vraiment que je vais faire des émotes animées? Ça serait rigolo quand même. Kumamon qui danse. Genre, l'émote animée. Ça serait pas mal. Et mon ballon de plage, vous en pensez quoi? Il est magnifique quand même, non? Vraiment le ballon de plage idéal. Oui, parce que du coup, j'ai. Comme c'est. Par contre, ça tient pas. Ne bouge pas, hein. Je sais pas, il va tomber. Comme c'est l'événement estival dans Genshin Impact que je voulais vous montrer, j'ai fait un peu l'ambiance estivale. Genre, c'est l'été! Wouhou, c'est l'été! Un Yu qui fait un tour de magie? C'est quoi? Ah, non, c'est qui? Des primogèmes. Mais oui, c'est ça la Miomni, c'est des primogèmes en fait. Alors, les insectes, les animaux, les moustiques sont des insectes, pas des animaux, donc non. Un Yu, tu veux dire quoi? Yibo, Wick Wick, non? La Miomni pastèque. Un émote kimamon qui danse, ça serait top. Ben, je suis bien d'accord, White Mask, mais si tu sais faire ça, en genre gif animé, parce que ça me paraît compliqué. Ah, le chinois en émote level 3. Ah, la description de Wick Wick, elle me fait mal au cœur, mais elle me fait plaisir, mais elle me fait mal au cœur. Wang Yibo, il s'appelle Yibo. Je vous l'ai mis là, Yibo. Yibo animé qui ferait un tour de magie, c'est non. Une pastèque ou un kumamon qui danse, ok. Que Yibo, il danse bien, mais bon. Les insectes ne sont pas des animaux. C'est compliqué cette question. Oui, c'est des animaux, mais de toute façon, on les aime pas. Regardez, c'est la Chine. C'est pas trop joli? Donc, c'est pas du tout ça que je voulais vous montrer, parce que là, je suis pas dans la bonne map. Donc, ici, c'est la Chine, la nuit, avec des petites feuilles qui tombent de je sais pas où, parce qu'il y a pas d'arbres. Ah, si, ils sont là-bas loin, peut-être. Mais ça, c'est joli. Yibo pub KFC. Ça serait bien le gif de Yibo qui mange des poulets comme ça. Dans un gros bug. Un bug des poulets, ce serait parfait. Alors, je vais partir de cette map et on va aller dans les îles Archipel de la Pomme Dorée. C'est un DLC qui est sorti sur Genshin Impact là, la version 1.6, je crois. Oui, 1.6 pour l'été. Qui dure 40 jours, je crois. Et il y a toute cette carte, nouvelle carte en plus, avec des îles et tout. Et un bateau. On va faire du bateau, je vais vous montrer le bateau. Je sais même plus ce que je voulais faire. Bon, c'est pas grave. Et du coup, voilà, là, on va à la plage faire des Aloha. Donc voilà. Oh, le train live est parti. Quel dommage, on l'a pas vu partir. Et vous, on a tous un chien là? Je l'ai le chien aussi. Il est où? Non, j'ai pas de chien moi. Ah si! Ah si! Ah non, mais les emotes d'avant, elles étaient moches, mais le chien, il est fameux quand même. Magnifique! Qu'est-ce que vous pensez de ce chien? Il a quoi sur la tête? Un casque? Ah, et Kyokun qui est censé travailler et qui vient dire Yibo qui mange du durian, ça serait top. Travaille! Ne mets pas le son fort! Chut. Pas que les gens entendent.
Bah oui, White Mask, il est tard. Maintenant, il a des chatons à s'occuper. Le gars est overbooké dans son Japon. Eh, je suis Pagode, coucou! J'imagine que poète, ça veut dire coucou. Ah, mais Mouik, c'est vrai que tu joues maintenant. T'as fini l'histoire. Bah tant mieux, parce que j'ai aussi fini l'histoire. De toute façon, je comptais pas spoiler l'histoire. Parce qu'effectivement, donc... C'est un DLC pour l'été, avec cette nouvelle map, comme je disais, avec des îles, avec des petits jeux à faire, mais il y a aussi une mini-histoire, avec des plein de personnages d'ailleurs, des personnages que je n'avais même pas vus encore dans le jeu, qui sont là genre hey, « Hé, machin, mon pote !» Je sais c'est qui. Et voilà, donc je ne vais pas vous spoiler l'histoire, rassurez-vous, parce que je l'ai déjà fini moi aussi. « Vamos a la playa, Calvaro, t'as complètement raison. » Mais oui, les chatons, ils sont mignons. Ouais, le masque, il a deux chatons qui font que des bêtises, apparemment. Ou qui dorment, au choix. Kyokun, arrête tes blagues comme ça, c'est vraiment pas rigolo. Genre, j'ai mis le son à fond sur les baves du magasin. L'horreur. Il dit c'est pas vrai, puis après, tu sais, il va dire « Ah, mais en fait, c'était vrai, regardez, j'ai une vidéo. » Alors, je vais ramasser une luciole qui traînait. Ça, c'est mon camp. Bon, c'est un peu sommaire, hein, c'est-à-dire que je dors là. C'est pire que Koh-Lanta le truc. Et en plus on est nombreux, genre on est plein à dormir ici. Mais ce qu'il faut que je vous montre, c'est que... Je ramasse cette petite menthe qui traîne. Donc sur ces îles, bon là c'est la nuit, c'est pas terrible, mais après j'ai de la journée, c'est plus joli. Il y a donc des événements comme on disait. Alors attendez, comment je fais? Et avec ces événements, j'ai pu gagner une tenue de plage pour un de mes personnages, que j'utilise jamais. Qui s'appelle Barbara, qui est normalement une bonne sœur. Alors, est-ce que les bonnes sœurs ont une tenue de plage comme ça? Je suis pas sûre. Est-ce que c'est correct? Bah, je la mets quand même, du coup, pour que vous puissiez voir. Donc ça, c'est la tenue estivale. J'avoue que le petit sac canard est quand même mignon. Si vous arrivez à voir qu'il y a un petit sac canard. Ça c'est mignon. Et ils n'ont pas fait un truc trop sexy, maillot de bain, parce que les gens allaient se plaindre après. Surtout qu'ils ont fait deux skins que pour les meufs. Et les mecs, pff, rien. Bon, moi je veux bien qu'il y ait des maillots de bain pour les meufs, mais bien pour les mecs, oh. C'est quoi cette arnaque encore une fois? De toute façon, Genshin Impact, l'arnaque. Tu crois que tu vas avoir des mecs que des meufs. Donc c'est pourri. FK vaisselle. Bah dis donc, Calveros, on t'amène à la mer en vacances estivales et toi tu vas faire la vaisselle. Nul. Ah, t'as pas Barbara, Mikmik? Oui, mais Barbara, tu vas la voir après facilement dans l'histoire. Tu l'as gratos. Tu te la donnes après. Tu la donnes. Tellement. Bon, très bien. Ouais, le sac canard est bien, la Miomni, on est d'accord. Hein. Voilà, niveau 20. Ah, c'est au niveau 20, la Miomni qui l'a donné Barbara. Il me semblait que c'est à la fin de la quête du dragon, moi. Genre, tu fais la quête principale et à la fin, t'as Barbara. Alors, Mouik, oui, non, c'est pas au niveau 20, c'est au niveau 20 quand t'as fini la quête du dragon principal. Tais-toi. Et t'es bloqué au niveau 25 parce qu'il faut faire un donjon qui te débloque, qui est super dur, comme je disais la dernière fois. Tant que t'as pas fait le donjon. Ton XP d'aventure s'accumule, ne t'inquiète pas. Après, tu vas rattraper les niveaux, mais il faut d'abord faire le putain de donjon qui est hyper dur. Avec 5 salles, avec des monstres, un boss final et tout. Je l'ai fait un soir avant de me coucher, ça m'a stressé de ouf. Et donc, on peut gagner cette tenue dans l'événement estival pour Barbara. Les coffres, l'exploration, les énigmes et tout le soin. Ça apporte une race de primogème, dit Kyokun, l'événement estival. C'est vrai. Une pub Eden Ring en arrivant. Ouais, Beominae. Beominae, on ne voit pas souvent d'ailleurs. Bonjour. Et effectivement, je pense que ça t'a ciblé. Alors que moi, j'ai les rares fois où j'ai des pubs, j'ai des trucs complètement nuls. Genre, abonnez-vous à Amazon Prime, tu vois. Bah, non. Pour regarder des séries de policières, de boum 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 d'action. Non. Toi aussi, le Supergod, t'as eu la même pub? Oui, c'est ça, donc comme dit la Miomni, il y a une quête à faire pour monter de niveau.
Non, en vrai, te demande pas un perso, tu peux le faire avec que les 4 personnages de base que t'as, hein, mon mec. C'est fait pour. Il te conseille peut-être un personnage haut qui sera plus fort dans le donjon, mais si tu fais avec deux autres, c'est pas grave. Ah, t'as perdu le. Tu l'as fait en fait ce donjon alors. T'as pas y réussi. En même temps, je t'ai dit, il est dur. Hein. Moi, je l'ai fait parce que j'ai un personnage haut qui est Tinkyu. Tinkyu, le petit chinois mignon enfant. Qui adore lire des livres. D'ailleurs, dans son histoire, chacun ils ont des trucs chelous dans leurs histoires. J'aime bien les lire. Ils ont dit qu'il avait des livres très bizarres sous son lit, que ses servantes et tout, parce que c'est un enfant de riche, quand elles ont fait le ménage et qu'elles ont vu les livres, elles ont fait on ne reviendra plus dans ta chambre. Et en fait, lui il est là, mais c'est des livres de kung fu, d'arts martiaux, je ne comprends pas. Et après ils sont là, oui, les hormones adolescents de 15 ans, enfin bon. Tu lis le truc, tu fais, mais qu'est-ce qu'il y a? Enfin, tu sais ce qu'il y a. Oui, le lore, comme dit la Bible, le lore. Bah, oui, il faut faire les tirages. D'ailleurs, c'est bizarre parce que. Comment? Ikkyo-kun serait là, il travaille, il peut pas trop. Il te dirait. Putain, je vise là-haut. Il te dirait, fais des tirages, perso! Fais des tirages! Donc, ça, c'est la bannière du moment avec Klee. J'ai pas fait, hein, parce que moi j'économise. Là j'ai 6650 primogems, toutes pour Kazuha qui arrive après. Je vais tout mettre dessus. Klee est là, bon, elle est mignonne, mais. J'aime beaucoup sa voix en japonais. Alors je sais pas quelle est sa voix en chinois, mais en japonais c'est très mignon. Bon, c'est très enfant, mais c'est mignon. Comme ça elle parle du nez. C'est rigolo, elle jette des bombes. Donc forcément j'aime bien. Jette des bombes, elle est un peu bête. Elle court comme Naruto là, le Naruto Run. Parfait. Et les autres meufs, j'ai la meuf qui est avec son corbeau là, je sais pas comment ça s'appelle. C'est écrit ou pas? Bon, c'est pas écrit. Là, elle est dans les trois, j'ai Barbara, la meuf sucrée, je sais pas quoi, la sucrine, je l'ai pas. Et la dernière, je l'ai. J'ai tiré sur ça parce que Kyoko, il m'a dit, faut que j'arrête d'écouter. Sucrose, oui. C'est ce que j'ai dit, sucrète. Fish, elle s'appelle l'autre, la Miamni? Ok. Enfin, je regarde. Et du coup, j'ai tiré une arme et j'ai eu une arme pour Noël. Une épée pas mal. Pas 5 étoiles, hein, jamais 5 étoiles. Non. Et ça, on s'en fout. Voyons, personnage. Non, pas ça. Pourquoi à chaque fois que je fais un truc et ma roue, elle m'écoute pas là? Voilà. Donc, Barbara dans sa tenue de plage. Par contre, un truc qui m'énerve de ouf dans ce jeu. C'est qu'ils ont tous des talons. Alors, il y en a, ça passe. Là, elle a des petits talons, genre sandales, ok. Mais des fois, t'es là, mais tu peux ne pas mettre de talons aussi dans ta vie, c'est possible. Même les mecs, ils ont des petites talonnettes. Tous des talons. Du coup, même s'ils ont tenue de plage, ils pourront jamais être pieds nus. Même les bébés, ils ont des espèces de talons, là. Stupide. Stupide. Donc, j'ai elle maintenant. Je fais du rock. Ah, contente. Donc, Ching Yan. J'ai aussi elle que j'avais gagnée en stream d'ailleurs. Changling. Avec son panda roux. Et Fish. Qui fait la gothique, genre. Et son corbeau qui parle. Et il est insupportable d'ailleurs, il parle. Ouh là là. Alors, qu'est-ce que vous racontez comme bêtise? Tu feras un live sur Ikkyo-kun oui, quand tu feras des tirages, parfait. Le Kama Sutra c'est un très comme fou la Miomni. Mais c'est totalement ça en plus, c'est exactement ce que j'ai pensé. C'est exactement ce que j'ai pensé quand il a parlé de ses livres sous le lit. Si ça. Tant qu'elle lâche pas des bombes, One Mask, cette blague. Entre lâcher des caisses la dernière fois et maintenant lâcher des bombes, on est pas mal. Bah oui, mec, faut que tu fasses le donjon, faut que tu y arrives. Et les talons pour escalader des falaises et tout. Full loli, Klee, Diona, Shinkyu et Kwikwi. Et maintenant, Shinkyu, tu le mets dans les lolis Ikkyo-kun, c'est scandaleux. Ah bah voilà, Ikkyo-kun, il dit escalade en talons, c'est le top. Oh, c'est son corbeau, ouais, mais il est plutôt sympa. Mais j'ai pas encore compris, mais je joue pas beaucoup avec elle, donc j'ai pas compris de la subtilité. Finchel, d'accord.
Elle est sûrement allemande, c'est ça? Michel l'allemande. Bon, je vais aller chercher mon bateau, qui n'est pas du tout de ce côté de l'île, mais de l'autre côté. On va faire du bateau un peu. Et je vais faire... je crois que j'ai une petite mission... J'ai oublié de voler. Je crois que j'ai une petite mission contre la montre à faire quelque part, là. Pourquoi il y a des monstres à côté des trucs du bateau, là? Ouais, c'est pas là, c'est là. Ouais, mais les monstres, un autre jour. Hein. Je sais pas que ça va faire, moi, tu tues des monstres toutes les 5 minutes. La dernière fois que j'ai fait ça, j'ai oublié de j'ai déployé mes ailes un peu trop tard. Et je suis morte. J'étais dégoûtée. Et après, ça, le jeu a bugué. Et c'était Finchel, justement. Le jeu a bugué. Et j'ai essayé de la faire revivre, et impossible. Et au bout d'un moment, je suis allée à une statue, j'ai dû faire bénédiction, parce que même en s'approchant, ça marchait pas et tout. Et au bout de 3 fois, elle est revenue à la vie. Ouh, parce que je pouvais même plus la sélectionner, après je l'avais enlevée de mon équipe. Et je pouvais plus la sélectionner. Finn, j'ai adoré son histoire. Ah, mais j'ai pas du tout suivi l'histoire de Finchel par contre. Enfin, j'ai suivi l'histoire de personne, à part... par le mec avec ses livres de Kung Fu, là. Ikkyokun, il est en train de travailler, j'imagine, il est en train de parler à des clients. Et tout d'un coup, il dirait... J'ai une demande d'amis reçue, je ne sais pas qui c'est. Donc si c'est vous, dites-le moi, parce que... L'ami que je ne connais pas, ce n'est pas un ami. Finchel. C'est pas Finchel, hein, il a dit Finchel. Non, c'est pas ça qu'il a dit. Calveros. Finchel. Non, mais il dit ment. Il ment. Et du coup, qu'est-ce que je racontais? Je sais plus. Je sais plus ce que je raconte. Voilà, très bien. Super stream. Alors celui-là, j'ai déjà fait. C'est quoi ça, c'est un contre-la-montre que j'ai déjà fait. J'aime bien ce bateau-là. Youhou ! Il fonctionne très mal. Alors, c'est lequel que je dois faire, du coup? C'est celui-là, je crois. Non. Il y a l'autre côté. Ah non, c'est ça que je voulais faire. C'est les bombes. Non, j'ai aussi les deux. On va d'abord aller faire la course contre la montre. Que je crois que j'ai déjà essayé tout à l'heure. Donc du coup, normalement, j'ai quasiment fini. Ouais, c'est ça. Ruée d'eau tumultueuse. J'ai la médaille de bronze, la médaille d'argent. Il faut que j'ai la médaille d'or, quoi. On va la voir. Médaille d'or. Facile. J'avoue que ça devient quand même de plus en plus dur. Les courses contre la montre, là. Au début, c'est simple. Et puis maintenant, il y a des parcours. Laisse tomber, quoi. Non, j'ai toujours pas de perso 5 étoiles, Calveros. C'est ça que t'appelles gros, hein, j'espère. 5 étoiles, non. Les défis en bateau sont pas mal, ouais. Et oui, la Miami, il faut que ça vous arrive. Tu joues sur la Miami, tu joues sur PC ou sur PC, toi? Je joue pas sur PlayStation 4, si. Ouais, je veux Kazuha. J'attends. Sinon, genre... Mais pourquoi je passe par là? C'est quoi ça? Ah, c'est une pierre. Bon, je vais la chercher. Si j'ai pas Kazuha, j'aurai un autre perso 5 étoiles dans tous les cas, c'est ce qu'on m'a assuré. On m'a expliqué les règles du jeu. Alors je serais dégoûtée d'avoir encore une meuf pour la 25e fois. Mais... Pourquoi pas? Pas que j'oublie que j'ai mis Barbara là dans mes personnages alors qu'elle est nulle donc. Mais pourquoi je pars à l'opposé de là où je dois aller? Ah non, c'est juste qu'il faut que je monte. Pas du tout ici là. Là. Bon. Oui, donc si j'ai un gros combat, Barbara, je vais la virer parce qu'elle ne sert à rien. Est-ce qu'il y a un coffre là? Non, je pense que je l'ai pris. Kukun, je pense que tu ne pourras pas crier coffre parce que normalement je les ai quasiment tous pris, sauf que des fois il y en a qui réapparaissent, j'ai remarqué. Ou il y en a que j'ai peut-être vraiment oublié. Normalement il y en a, j'en ai eu plus. Ouais, je sais que c'est crossplay l'Ami Omni, mais si tu joues sur PS4, il faut qu'on soit d'abord Ami PlayStation. Si on rajoute l'IUD, ça ne marche pas. Alors que si tu joues sur PC, avec juste l'IUD, ça suffit. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est aussi bête que ça.
Non, c'est pas faux, je te jure que tous les gens à qui j'ai mis les UD qui étaient sur PlayStation sans être amis, ils m'ont dit vous pouvez pas ajouter cette personne. Et eux, ça leur a fait pareil quand ils ont essayé de m'ajouter, ils avaient écrit vous pouvez pas ajouter cette personne. Oui, ah oui, alors Omina qui connaît pas du tout le jeu, il va falloir tout lui expliquer du début. Mais je vois qu'il y a Bisounours et Calveros qui expliquent. Ah bah tu vois, tu m'as dit c'est faux et maintenant tu dis que tu connais pas la Miamni. Moi j'ai essayé 3 fois. Donc ce n'est pas faux, c'est la vérité. Vraiment être ami PlayStation sans savoir, ça fonctionne pas. Et pour répondre à Aminae, ce qu'ils appellent la pitié, c'est t'as une bannière, comme je vous montrais tout à l'heure. Enfin, t'étais peut-être pas là d'ailleurs. Tu fais des tirages dessus. Tous les 10 tirages, t'es sûr d'avoir un truc pas potable et plein de merde. Et au début, t'as 0,6% de chance de tuer un perso 5 étoiles, donc rien. Et petit à petit, ça augmente. À 70 tirages, t'as 60% de chance, et puis 90 tirages, limite, ils te donnent le truc. Enfin, allez, tiens, tu prends ça et casse-toi. C'est la pitié, c'est le côté pitié. Parce qu'à un moment, t'es sûr de gagner vraiment un truc bien. Koukov! Tu lis les articles, ça te passe au-dessus, mais les articles que j'écris en plus. Mais j'ai pas encore écrit les trucs expliqués comme ça, parce que c'est chiant à écrire. Donc j'ai juste fait des articles genre « Eh, regardez, il y a des trucs de l'été !» Ou des conneries. Si, j'ai fait des conseils aux débutants, que j'espère tu as lu, Mouik Mouik. Enfin maintenant t'as plus besoin, t'es plus débutant en fait. C'est vraiment des trucs genre... Ah ben voilà, Calvros explique tout. Tu es assuré d'avoir le perso de la bannière? Non, apparemment, t'es assuré d'avoir le perso de la bannière ou un autre. Bah, ceux qui sont cachés. Pas forcément celui de la bannière. C'est bien ce qui me fait peur. T'as un 5 étoiles, mais pas forcément celui que je veux. Les armes 70. Ah non. Ah non, il dit des bêtises là, bien. Ouais, je sais qu'il y a une soft pity et il y a une hard pity. Il faut vraiment des termes de gamer naze. Mais non, Mick Mick, t'as plus rien à apprendre. En plus, vraiment, les conseils de débutants, c'est des conseils de débutants. C'est Bon, j'ai pas écrit pareil sur les autres sites, parce que les autres sites, c'est encore pire. Ils disent... Suivez les quêtes, et puis faites de l'XP, et puis débloquez les points de téléportation. Je fais, oui, non, mais rien d'ok. En vrai, peut-être c'est des vrais conseils, mais je trouve ça bête. Si tu fais ma formation accélère sur Genshin en 2 jours, t'es une machine à tuer, dis que non, mais ta formation accélérée, arrête, tu dis juste les coffres, poule, il faut tirer, poule, poule. Non, non. Une pitié dans un gacha, c'est être assuré d'avoir le perso. Mais oui, mais Calveros, c'est. Ils veulent que tu dépenses de l'argent, donc ils font. Il faut des trucs pas très honnêtes. C'est ce défi là? Oui, c'est ce défi. Ouais, enfin bon, il y a plein de trucs de parieurs là. Vous êtes tous en train de dire des chiffres, on dirait les mecs qui jouent au tiercé qui sont complètement drogués au PMU. Bienvenue dans Genshin Impact, les amis! Mais effectivement, il faut un peu étudier le truc. C'est pour ça que moi, j'ai noté mon nombre de primogèmes. Je sais à peu près à combien de tirages je suis. Je sais à peu près combien il m'en faut là pour avoir une grosse chance de gagner. D'ailleurs, vous avez remarqué hein, qu'il y a le courant qui indique dans quel sens va partir le défi. Tout ça, je l'ai remarqué qu'au bout de 3 jours. 3 jours, je faisais des défis et je faisais « Oui, mais on lance le défi, on ne sait pas dans quel côté ça part. » Mais si, il y a du courant qui indique le truc. Maintenant, je l'ai vu. C'est quoi tous ces chiffres? Ah ouais, c'est les trucs de marotte de parieur là, la Miamni. Tu vas faire bannir, hein, on va pas de jeu d'argent ici. Voilà, Mokumi qui sait que Kun, ses conseils, c'est les coffres. Coucou Jado! Alors, finalement, on est méga nombreux. Je pensais que vous seriez tous en train de boire des bières ou de fêter le week-end là. Ouais, mais en fait, il y a des orages alors vous êtes tous à la maison. Bravo. Si, Kun, il est gros addict au jeu, hein. Attention. Mais sans dépenser d'argent. Juste, il accumule des primogèmes et il joue sans dépenser tout. Voilà. Je vais commencer le défi. Il faut que je sois hyper concentrée, ce qui n'est pas du tout le cas là. Parce qu'il faut aller vite et précis. Et des fois, moi, avec le bateau, je fais. Voilà.
Ah, c'est fini, la soirée était rentrée bourrée, la bienvenue, oui, c'est vrai que toi, il est 2h du matin pour toi et Wild Mask. Non, c'est l'anniversaire de... Il est parti, je crois, Wild Mask, non ? Il a dit bonne nuit, je me rappelle plus. Je voulais dire bon anniversaire encore, mais... Allez, on commence le défi, on y va. Ouais, youpi ! Donc, les petites boules jaunes, je sais pas à quoi ça sert, mais il faut les prendre. Ouais, je pense que ça sert à rien, en vrai. Là, il faut choper surtout les pièces, comme dans Sonic. Non, Sonic, c'est les anneaux. Comme dans Mario. Voilà, ouais, j'ai fait un carton plein. Vite revenir dans le bateau, repartir. Arrêtez de parler parce que je suis pas concentrée, ça conduit très mal ce bateau. Donc alors on y va, pour la caisse. J'essaie de faire de l'accélération, mais quand je fais de l'accélération, ça fait nimpe. Hop. Là, il faut tirer sur les trucs. Non, tirer, ah, tirer sur les plateformes tout en évitant les... Ma manette n'a plus de batterie. Oh, on est bien, on est bien. Ouais, là, là, là. Hop, je tue celui-là. Je sais pas à quoi ça sert. Je sais pas s'il faut faire ça. Ce n'est pas obligé de tirer sur les ennemis, mais je le fais quand même. Bam. Je détruis tout. Je pense que ça me fait juste perdre du temps, en fait. Mais bon, c'est pas grave. Parce que je sais pas si j'ai réussi à casser toutes les plateformes. Je peux pas lire le chat en même temps. Hein. Je suis très très lente. Je fais pas assez d'accélération. Hop, là on y va comme des brutos. Ça, je casse, ça sert à rien. Je casse quand même. Attendez, je pense que j'ai raté des boules en feu là. Non, il y a des boules en feu là-bas, évidemment. Comment on les chope? Alors, j'essaye de drifter. Là, je perds du temps de ouf pour rien, pour ces petites boules jaunes qui servent à rien. Vous allez me dire, mais ça sert à rien ces boules jaunes. Si, il faut les prendre quand même. Allez! Oh, c'est joli. On a dit la baie d'Along là. Immaniable ce bateau. Voilà. J'ai pas le temps, je repars. Là, je suis bloqué. C'est pas grave, j'ai une petite marche arrière. Ce qui est bien, c'est qu'il est, il est imbitable, mais il y a quand même une marche arrière. Est-ce que je viens de perdre 1000 ans à faire n'importe quoi? Oui. Première fois, j'avais beaucoup mieux réussi. Hein. Moi, j'aurais jamais la médaille d'or, je vous dis. Hop, on s'envole. On va dans les anneaux qui font de ça, là. Wouh, accélération speeder spatial. Voilà, ouais, accélération speeder spatial. Hop, on tombe, on court, hop là. Voilà, je finis le défi. Un score de merde. Bon. Qu'est-ce que vous avez dit? Ah oui, en plus, ça va me sortir du défi. On commence. Demain, c'est barbecue. Ah, Caveros, c'est raisonnable. Une seule sortie par week-end. Ah, White Mask. C'est toujours dans le coin. Et du coup, c'est ton anniversaire demain. As-tu prévu aussi quelque chose, une fête? Mais Diado, je sais que tu viens juste pour voir Genshin. Ah, c'est pour l'endurance, le bateau? Le bateau. Les trucs jaunes, j'en ai vraiment pas besoin, alors. Mon team, quand tu la ramasses, c'est que Kouni qui est aussi nul que moi. Hey, Onieg, hello! Comment ça va? Et Kyus aussi. Mon avis sur cet event, mais franchement, il est très sympa. Il est très sympa, il est... ça fait le job pour l'été, je trouve. Pour l'histoire, c'était un peu... J'étais là... Ok, c'est un peu bête, mais bon, pourquoi pas. Et comme je vous le disais, j'ai fait vraiment le décor de l'été. Enfin, j'ai essayé. Bon, c'est pas grave, je refais. Et du coup, la petite boule jaune, c'est juste pour l'endurance, j'en ai vraiment besoin. Parce que j'utilise pas beaucoup d'endurance. Donc je peux en rater, en fait. Il faut juste que j'aille vite. Ok. Allez, on va à fond la caisse. Hop, 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 je saute, j'ai raté, j'ai foiré, bon saut. Bon, attendez, je vais refaire le défi. Là, c'était pas parti. Je refais. Tout à l'heure, c'était mieux. Mais je vais aller vite et être efficace. Ouais, mais tout à l'heure, j'ai fait 29 000. 29 000, c'est hyper frustrant parce que c'est à 30 000 que c'est bien. Coucou, Eric. Bienvenue ici. C'est la première fois que tu viens, je crois. En tout cas, t'as pas d'émote à côté de ton nom. Donc... Il est beau ce bateau, nous dit Oli. Tu vas chez ton tonton pour fêter ça? Du champagne, hein, c'est bien ça, Wild Max. Très bonne initiative, le champagne. Ouais, le bateau, j'aimerais bien qu'on garde après les 20. Même s'il est un peu naze, il est marrant. Mais. Non, de toute façon, c'est ça. Ils ont mis 40 jours dans les îles et on s'amuse comme on veut et après, il n'y a plus. Hein. Malheureusement, ils vont tout enlever. Il y a quand même des bons trucs dans cette île.
Enfin, j'étais pas là du tout en bon endroit encore. Mais si, c'est bon, c'est bon. C'est bon, voilà, on les a. Rentre dans le bateau. C'est bon, je suis dedans. Allez, on y va. Wouhou. Oui, c'est vrai que c'est pour l'endurance. Très bien. Alors, je m'en fous de l'endurance, j'ai pas besoin. Fond la caisse. Maintenant que je sais que ça sert à rien, je. Est-ce que ça, je suis obligée de le faire pour les points? Non, en fait. Casser les plateformes là. Si ça rapporte des points quand même, je crois. Non, ça rapporte pas des points. Oh, je sais pas. Oulala, oulala, oulala. Bon bah du coup je m'en fous des petites boules jaunes là aussi. Ça aussi je m'en fous de les casser alors. En fait si je vous écoute, on s'en fout de tout, il faut juste foncer. Et prendre les pièces. Le plus important c'est les pièces. Donc je fais ça. Hop. Je fonce, je fonce, je fonce. Allez on y va. Ouh, Géronimo. Allez les anneaux. Bra bra, hop là. Ah je fais vite. Là je fais vite. Oui! Médaille d'or! Yeah! 34 350 points! Bon, ben les petites boules dorées, si j'avais su dès le début, je les prendrais jamais. Hein. Merci pour les GG! Tu es dans le RER, Kyokun? Pas de soucis, écoute, déjà, c'est gentil à toi de regarder dans des circonstances très compliquées. Et même si c'est en Edge et que ça marche. Tu viens de temps en temps, Eric? Ah! Je comprends rien aux emojis car je suis vieux. Il n'y a pas de souci. Mais non, mais le principal c'est que tu sois là et qu'on puisse discuter. Ah, Mikmi qui me met des GG avec Kumamon. Ouais, GG tout le monde, merci. Il faut que je quitte le défi avant qu'il me remette au début, voilà. Donc j'ai réussi, je suis contente. Coucou Tsuri. Putain, finalement, c'est peut-être le soir, on est plus nombreux. Genre, tout le monde est dehors en train de boire des bières, tout le monde est là. Truc de ouf. Jamais autant de viewers en des screens. Bon, il y a des bots, mais quand même. Même s'il y a des bots, il y a quand même des gens qui sont là, des vrais gens. Si, Jado, j'ai terminé. Enfin, je suis en train de. Mais ça fait. J'ai pas joué pendant 2 jours. D'ailleurs, je suis un peu en banque. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des monstres qui m'attaquent là? Ils sont où? Ah non, mais la putain de plante relou là. Il y a quoi? Qu'est-ce que c'est chiant cette fleur? Et là en plus j'ai même pas ramassé de fleurs alors calme-toi. Hein. Allez, j'étais tranquille en train de faire rien. Ah la mission de fleurs. Vraiment pénible. Hein. Voilà. Ah, on sait pas nager. Ah, on a une petite fleur qui sait pas nager et voilà, morte. Franchement. Oh elle est trop bien cette émote de la Miami. Qu'est-ce qui sera effectif en 2038? Ah, la 4G dans le RER, oui, évidemment. Elle lit des livres, elle aussi. Mais c'est pas du tout les mêmes livres que Chinkyu. Bon, alors du coup, mon bateau, je sais pas où il est. Ah non, mais j'ai un truc pour appeler le bateau, c'est bon. Du coup, si, j'ai pas encore tout terminé, mais... Jado, comme je disais tout à l'heure, j'ai fini l'histoire du DLC là, ça y est. Oui, je vous ai pas montré ça, c'est trop mignon. Il me reste que 9 jours. Bon, 9 jours de l'Odyssée estivale. Et tous les jours, il y avait quasiment tous les jours, il y avait un truc qui se débloquait pour faire les mini-jeux là, comme ces courses contre la montre. Donc là, au début, c'était. Fallait tuer des monstres, ça j'ai fait. Ça, c'est les courses. Et il y en a eu plusieurs, il y a. C'est pas le bon. Il y a eu toutes ces courses là. Donc j'ai fait toutes les courses médailles d'or. Et là, aujourd'hui, je viens de finir celle-là, la dernière. Donc je récupère les récompenses, donne les primogèmes pour Kazuha, donne. D'ailleurs, c'est bizarre, c'est la médaille de bronze qui rapporte le plus. Faut m'expliquer ça, depuis quand? Et les autres médailles, genre médaille d'or, tiens, prends ton truc naze et voilà. Alors que l'autre, c'est 30 primogèmes, quoi. Médaille de bronze. Enfin, tant mieux, hein. C'est pour comme ça, ils disent même si t'es nul, t'as la bonne récompense, c'est gentil, mais enfin bon. C'est
T'as fini Kingdom Hearts 2 Merde, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cliqué n'importe où. Wild Mask, hier. Burst by Sleep, c'est quoi? Alors, Diado, je termine mon Teddy Luke, Amitié 10. Amitié 10? Donc tu passes à Nouvelle Osbando. Et Oniac, t'as eu Klee. Ah! Pas mal. T'as encore des sous pour Kazuha après avoir eu Klee? Comment c'est possible? T'as trop de chance. Ah, c'est pour pas pénaliser les nouveaux joueurs. Bon, du coup, c'est quand même assez sympa. Les bouquins d'XP, c'est important. Ouais, peut-être, peut-être. Enfin, ils disent Klee, ils disent pas Klee d'ailleurs. C'est moi qui dis Klee. Klee, meilleur perso. Ah, c'était de la chance, Oniag. Putain, je suis blasée. Ça, c'est dur, ça. Il faut tuer le monstre, le boss, là. Donc, je l'ai tué deux fois. Mais la deuxième fois était vachement plus dure que la première fois. C'est normal, ça. Genre, la première fois, j'ai fait trois coups. Le truc, il est mort facilement. La deuxième fois, dur. Et là, il faudrait que je le tue une troisième fois. Mais j'ai peur qu'il soit encore plus fort. Je crois qu'il était niveau 50 déjà, la dernière fois. Il augmente pas de niveau à chaque fois, quand même. Ça, j'ai pas réussi non plus. Sans être touché par cette attaque fantôme, j'ai failli. Et puis au dernier moment, il m'a fait un petit coup là. J'étais là, mais non ! Du bout de l'épée, et trop relou. Très très relou. 60 poules et tu l'avais pas eu. Ah bah du coup, ça y est, tu t'es vengé pour Klee, Oniag. Tu l'as eu enfin. Tu t'es fait kill la deuxième fois. Mec, chaque fois que tu racontes une aventure, apparemment, tu te fais tuer. Hein. Ça va, c'est pas le pire boss. Hein. Ah ça, t'as compté que tu l'avais tué? Mais non. Ouais, la première fois, il est vraiment simple. La deuxième fois, j'ai galéré. Et du coup, j'ai un peu peur. Mais je le ferai peut-être à la fin. J'essaierai de tuer pour la troisième fois pour avoir les primogèmes, là. Parce que pourquoi pas. Ça, j'ai pas commencé. C'est l'événement d'aujourd'hui que j'ai débloqué tout à l'heure, donc j'ai pas encore fait. J'ai fabriqué des bombes. Ça, j'ai fait. Parce que j'aime bien les fabriquer des bombes, pas de soucis. Mais maintenant, il faut aller l'utiliser. Nettoyer les camps du monstre. Bon, bah, on va aller faire ça. Hein. Et apparemment, c'est là-bas, donc c'est à côté. Donc je vais y aller. Hop. Oui, j'appelle mon bateau. Invoquer la barge. Allez, on y va! Et je vais... Pas dans ce sens du tout, je vais là-bas. Attendez, c'est où le chemin? Mais ça, c'est tout droit. Ah, j'ai vraiment mon sens d'orientation. Et on va aller faire... Les bombes! J'ai pas compris comment ça marche, mais on va le faire. Kyukun sera t'aider, non, et Kyukun il donne que des conseils, voilà quoi. Zhongli, non mais... Enfin, Chongli. Effectivement, Bisounours, c'est tout le monde. Le monstre, c'était... Le boss, c'était simple en moment histoire, et quand je l'ai refait après, j'étais là... Hey, pas du tout pareil, pas le même délire. Ah, il peut être fait en multi, le boss aussi, je savais pas ça. Kyokun sera aidé. Tu parles, il est dans le RER. Comment ça, on dirait un jeu Switch Wild Mask? Ça veut dire quoi, ça? Oui, Jado, je voulais te mettre VIP. Et puis, comme pour Genshin, tu venais souvent, je me suis dit, je vais te mettre modérateur. Parce qu'une petite épée, c'est plus mignon. Côté de ton pseudo. Mais c'est juste pour vous mettre des trucs, en fait. Pour que vous vous sentiez apprécié, parce que vous êtes les bons amis quand même. Donc normalement vous avez tous quelque chose à côté de votre nom, sauf vous et le masque, ce que j'ai oublié. Et sauf Eric Masque, qui est... c'est pas longtemps qu'il est là. Ikyokun il a rien non plus. Non mais Ikyokun il a deux comptes je crois. Et je pense que j'ai tout mis au mauvais compte. Ça je sais pas à quoi ça sert, mais ça doit faire la cuisine donc je prends. Oui à mon avis j'ai mis sur le mauvais compte Ikyokun. Pourquoi t'as deux comptes d'ailleurs? C'est très bizarre.
Oui, ben White Mask. Pourquoi, d'après toi, ce jeu me plaît? Parce qu'il a une ambiance Nintendo, ils ont tout pompé sur Zelda. Animal Crossing, par contre, t'as fumé un petit peu, mais bon. Mais oui, je sais, White Mask, mais je t'inquiète, la prochaine fois que tu viens, tu seras VIP. C'est juste qu'il faut que je le mette sur le PC et il faut pas que j'oublie. Donc il faut que j'aille sur le PC pour faire des paramètres à chaque fois. Hors stream, quoi. Et voilà. Enfin, j'oublie un peu. Mais ne t'inquiète pas, tu auras les petites émotes de VIP. Oli est déjà VIP et tout ce qu'il faut. Omina, il est modérateur aussi. Le mec, il vient jamais. il est jamais là. Mais c'est lui qui doit modérer les gens, tu sais. Non, visuellement, il est très beau, Omina, ce jeu. Par contre, c'est complètement pompé sur. Chut. C'est pompé sur Zelda au taquet, mais il est quand même très joli. Encore, t'as pas vu la Chine qui était vraiment très sympa aussi. Je vous montre pas son short, hein, je vous montre la nuit étoilée là. Qu'est-ce que vous croyez? Tiens, on va mettre Barbara du coup. Barbara en maillot de bain! Tirali, tirali. J'aime bien son petit nœud jaune ça, avec le bleu, c'est pas mal. Donc les couleurs de l'été 2021, comme nous l'ont expliqué la Chine, c'est le bleu pâle et le blanc. Tous les trucs de l'été sont comme ça, toutes les photos de l'été, vous verrez, sont comme ça. Et au Japon, c'est un peu la tendance aussi, j'ai vu. Hein. Donc, les couleurs de l'été, bleu pâle et blanc. Vous avez compris quoi faire pour être à la mode sur la plage. Strike Nation 69, tu joues sur PC, très bien. Eh bien, ici c'est PS4 parce que je n'ai pas le choix. Mais sinon, je jouerai peut-être sur PC aussi. Ouais, Ikoku, une fois que je vérifie, il me semble que j'ai vu que tu avais abonné sur deux trucs différents. Enfin bref. Et oui, la musique du jeu est très cool aussi. Chut, Barbara. Tais-toi. Ne parle pas. La musique est très cool aussi, comme me dit Bisounours. Donc, entre le fait que ce soit joli, qu'il y ait plein de persos, qu'il y ait des trucs cool et de la bonne musique, que ce soit gratuit, c'est quand même des très bons arguments de vente pour ce jeu. De très bons arguments de vente pour un jeu gratuit. Non, les pauvres de. Allez, Cocoune, il est tellement mauvaise foi, je lis même pas son message. Enfin, je l'ai lu, mais je le lis pas haute voix. Ah oui, alors attendez, les bombes. Comment ça marche? J'ai lu l'explication tout à l'heure, j'ai tout oublié. Et en plus, j'ai Barbara dans mon équipe qui est nulle. Est-ce que ça marche? Non. Si, ça, c'est pas les bombes, ça. Oh merde. Ouais. Qui m'appelle? Ça spam. C'est du spam, je ne réponds pas au spam. Au spam qui m'appelle comme ça. Hein. Ça correspond à chercher à vous joindre. Ben, merci, j'ai vu. Strike Nation. J'ai qui comme perso? J'ai pas beaucoup de persos parce que je joue pas depuis très longtemps. J'ai tous les persos qu'il y a là. C'est-à-dire tous les persos gratuits. Comment on change déjà? Voilà, les Noël, les Barbara. Quand même, les Kaeya, un garçon. Il y a un deuxième garçon là, Chinkyu, que des filles sinon. Et on fait. Ça c'est moi. Finchel. Fischl. Changling. Chingyuan. Yona. Lisa. Bon voilà. Ces persos qui sont pas terribles. J'ai pas de perso 5 étoiles comme je disais. Mais ça vient. Je croyais qu'on appelait l'héroïne dans le jeu. J'ai pas compris, Rigmas. Bah évidemment qu'il y a plein de Breath of the Wild like et qu'ils ont bien raison de le faire. Et en plus il y a quand même de l'originalité donc ça passe. Les anneaux à traverser avec les flèches pour tomber sur une cible. T'as rien compris, Mouikoui? Si, ça au bout d'un moment c'est facile. Au début je comprenais pas mais... Non mais Jado, arrête. Jado, tu m'as déjà montré tous tes persos un par un quand t'es venu dans mon jeu déjà. Ça faisait tout ramer parce que tu faisais 50 attaques en même temps. Donc ça suffit. Hein. T'as Kiki, Kekin et Mona. Que des persos que je n'ai pas, Strike Nation. Alors attendez, expliquez-moi les bombes ceux qui savent parce que j'ai pas compris les bombes en fait. Faut que je les équipe ou pas les bombes? Qu'est-ce que je dois faire avec? Elles sont où mes bombes d'ailleurs? Dans quoi elles peuvent être? Dans les armes?
Non. Ah non, elles sont là, je me souviens. Là, les bombes. Comment ça marche? Parce que j'ai fait 3 bombes différentes. Consommables. Équipées. Ah, mais voilà, c'est ça, je les équipe ici. Bombe directe. Bombe explosive. Cet objet expire le 28-06 à 4h du matin. Oh, se calme, hein. J'aime pas que tu me parles comme ça, le jeu, hein. Et bombe brûlante. Alors, moi, ce que je veux, c'est... On voit des petits morceaux voler dans tous les sens. Oui, ça a l'air très méchant, ça. Et ça, c'est quoi? Facile à contrôler? Non. Méchant. Ah oui, donc voilà. Donc maintenant, c'est L1 et rond. Et je peux balancer des bombes sur les mecs. Éliminer tous les ennemis avec les bombes, donc. Oh merde. Ah, bim. Ah, je suis congelé. Je joue Barbara, je vous dis, c'est vraiment pas mon perso que j'aurais dû mettre. Mais... Bon, alors attendez. Ah! Ah oui, je me trompe de bouton en plus. Très très bien. Mais arrêtez de me congeler, j'ai pas que ça à faire! Pourquoi ça marche plus? Voilà. Voilà, ils sont morts. 4 sur 15, ils sont, putain, ils sont nombreux de ouf. Bon, j'enlève Barbara, c'était juste pour vous montrer son maillot de bain, mais on s'en fout. Attendez, mais je dois mettre... À chaque fois, je dois remettre la bombe. C'est vraiment hyper pourri. Ah, je l'ai juste fait. Vraiment un niveau... C'est vraiment un truc... Vraiment un niveau pourri, ça. Ah oui, donc je dois vraiment les remettre à chaque fois, c'est vraiment, c'est compliqué. Pourquoi ça marche pas? Je m'amuse pas du tout. C'est pas du tout rigolo. Alors attendez. Et arrêtez de me suivre, j'essaie de mettre, d'équiper mes bombes à chaque fois. Oh, en fait, faut que je fasse quand même des attaques normales, je peux pas m'en sortir de ces conneries. Fais. Mais enfin, c'est efficace ou pas? Ah, j'ai gagné des billes là, des trucs. Des mini arpastoum. Arpastoum. C'était imprononçable ce mot. Des mini arpastoum. Ah, tiens, mon téléphone s'est éteint. C'est vraiment un défi merdique. Mange un truc chelou. Alors, Fischl, ça se prononce Fuinchul. Fikokun, qu'est-ce que vous racontez? Fuinchul, maintenant. Inazuma, évidemment qu'on attend les persos de Inazuma, Jado. Tu crois que... Déjà, on attend Inazuma tout court. Qui sera le Japon. Et que des persos avec des petits trucs de samouraï, mais tout rikiki, parce que c'est des meufs... Franchement, c'est normal. Non mais oui, on attend. Ah bah merci en tout cas Mina d'être passée. Bonne course, c'est ça, tu vas courir, c'est ça? Attends, pourquoi mon chat il est pas du tout à jour là? Ah non, tu vas courir, tu vas faire courir les chiens, c'est pas toi qui cours. Je me disais aussi, c'est bizarre. Ah ok, donc mon chat là il a planté ou quoi? Ah non, il avait un problème, ouais. Arrêtez de me suivre, je vais te tuer. T'as tout raison, Meikyokun. Ah, je peux quand même faire les attaques normales, je croyais que je pouvais faire que avec les bombes bisounours. Putain, mais mon chat il avait tout planté là, tout d'un coup je me prends plein de trucs. Ouli qui demande à boire. Alors, j'ai pas à boire ce soir, je suis un vendredi soir sage. J'ai que de l'eau. Donc je peux boire de l'eau, hein. Mais c'est pas le mode apéro de d'habitude. Voilà, je traque quand même à la santé d'Oli. Par contre, j'ai un truc chelou à manger, ça oui. Là, il s'émerge, je crois. Voilà, bah, c'est ça, bisous. Rééquiper les bombes à chaque fois, là, c'était vraiment pourri. Arrête de parler, madame. C'était très très chiant de devoir rééquiper à chaque fois.
Coucou Riaz, désolé du coup mon chat avait un peu planté donc je vois les messages un petit peu retardement. Donc bonjour. Ominaya a dû partir. Non, toi tu marches, c'est les chiens qui courent, j'ai bien compris maintenant. Ayaka. Après bon, les persos, même les persos féminins de Inazuma, ils ont l'air quand même cool, hein. Ouais, moi aussi, comme Jado, j'attends le frère de la meuf là. Ben, One Mask, merci beaucoup. Très bon anniversaire demain. Bois du champagne, mais pas trop. Amuse-toi bien et bonne nuit. Et tu cliqueras sur le machin manger un truc chelou. T'inquiète, ça te fait rien dépenser, hein. C'est juste pour le fun. Ben, bisounours, c'est exactement ce qui se passe, c'est que je galère. Yomiya s'appelle un des persos. Alors je me nourris un peu parce que mes persos là ils ont pris cher avec ces attaques de monstres pourris. Voilà. Et par contre c'est où la suite? Est-ce qu'il y a encore d'autres missions à faire? C'est qu'une par jour ou quoi? Je cherchais mes récompenses. Bye bye One Mask. À bientôt du coup. Non, j'ai pas de récompense. Ah, nettoyer trois camps de monstres. J'en ai fait qu'un seul. Après, en fait, c'est une 6, 9. Utiliser des bombes directes. Ah, bah il faut que je change de bombe alors. Utiliser des bombes explosives pour éliminer trois ennemis deux fois dans un défi. J'ai fait ça. Ouais, bon, bah il faut que je rejoue quoi. Ah, mais ça change d'endroit. Mais. Faudrait que j'ai que ça à faire de promener d'île en île là? Bon, je vais me téléporter. C'est relou, c'est nul. Ah bah Oli, qu'est-ce qui se passe? Un abonnement t'as pris? Avec Prime? Écoute, merci beaucoup. 4 mois d'abonnement consécutif, j'imagine, j'en sais rien. Oh les mecs, ça parle de personnages. Yomiya, Dilu, quand c'est 3, blablabla, tout le monde fait ses malins avec ses personnages forts là. Les têtes cheloues sur la carte. Mick Mick qui est professionnel de Genshin. Eh bah ben, Jado il fait comme moi et il skip clé pour avoir Kazuha, pareil. Nettoyer cette tas de feuilles, c'était pas la pire mission pour moi, la Miomnia. Hein. Je crois que les pires missions c'était. Déjà, les trucs des pigeons, c'était chiant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme mission pourrie? Et ça, il faut chercher des clés, je crois. Il fallait plein de missions un peu pourries. Hein. Mais oui, ça bug. Évidemment que ça bug. Je dis qu'il y avait des problèmes Twitch, là. Ah oui, Tartaglia, je vais trop Tartaglia. Jadon m'en avait parlé de Tartaglia, je l'ai rencontré pour la première fois dans le jeu là, il n'y a pas longtemps. Et elle est plutôt sympa. Plutôt sympa. La folie est moins précise. Ah, le truc des lacs là, vous l'avez fait là ça? Les gars? Ah, il y a des grenouilles. Je vais chercher les grenouilles. Parce que j'ai compris hein, qu'il fallait les vider, genre les remplir ou les vider. Il y a un dessin qui nous explique peut-être comment faire. Mais j'ai absolument pas fait. J'ai absolument pas fait le truc des lacs. Et d'ailleurs, ça explique rien, ça doit se débrouiller. Donc, ceux qui vous avaient dit, j'ai poncé l'événement de l'été, je suis sûre que vous avez pas fait les lacs. D'ailleurs, elles ont disparu les photos. Merde. Il n'y a plus les photos. Il va falloir que j'aille retourner prendre les trucs en photo. Oh, c'est pourri ça. Parce que du coup, pour savoir. Ah merde, le papillon. Reviens. Parce que du coup, voilà, j'ai trouvé qu'on pouvait remplir et vider les lacs avec les gros cailloux là. D'ailleurs, ça buguait un moment, c'était n'importe quoi. Hop. Donc là, ça vide. Bon, on va remplir. Ça marche plus. Ouais, ouais, c'est vraiment bugué. Hein. Ah voilà, ça remplit. Et ça fait un bruit de guitare, je pense. Et c'est tout. Mais oui, de ce que j'ai compris,
suis quand même pas stupide. À un moment, il y a un dessin là, qui explique il y a tous les lacs dessinés, mais il faut comprendre dans quel sens ils sont pour savoir lesquels faut remplir et lesquels faut. Putain, mais ça va pas planter là, qu'est-ce qu'il a Twitch? Non, j'ai raté tout le chat. Jado me dit c'est simple les lacs, lul. Calme-toi. en dessous, c'est relou. Alors, c'est simple ou c'est relou? Oui, j'ai pris la photo, mais elle a disparu de mon inventaire, c'est ce que je disais. Normalement, la photo, elle était là, parce que c'est des trucs d'une mission. Et elles sont plus là. Donc, faut que j'aille rechercher le truc, quoi. C'est relou. Non, il n'y a plus les photos. Elles sont censées être là, et il n'y a plus. Parce que, comme j'ai fini la... l'explication, là... Ah, c'est naze. Ou alors du coup je vais faire la mission des monstres là. Qui est par là. T'as pris une photo, mais après ça fait un truc avec d'autres dessins à attaquer. À attaquer. Oui mais c'est ça, c'est la mission des photos. Mais moi j'ai pris toutes les photos. Et du coup, j'ai résolu l'histoire et ça m'a enlevé toutes les photos de mon inventaire. Donc je les ai plus. Parce que là, je voulais vérifier le truc des lacs. Parce qu'après, je pense que voilà, il faut faire un lac rempli, un lac pas rempli. Bon alors, qu'est-ce qui se passe ici? Je peux pas envoyer des bombes en l'air, par contre. Bon, ce serait trop bien. Tant pis, je vais me poser puis je vais les attaquer tranquillement. Faut prendre en photo les dessins. Oui. T'as attaqué les dessins, toi, mec? Mais qu'est-ce qu'il dit? Non. Alors, il y a plusieurs trucs. Il y a des dessins avec des têtes de roi dodo, là. Ça, il faut, justement, lancer la petite balle dessus. Faire comme espèce de pelote basque. Ou jokari sur un mur, je sais pas. Mais par contre, les dessins gravés juste à la craie dans le rocher, ça, il faut les prendre en photo pour la mission. Non, mais... Oh, merde. Ils sont déjà en train d'attaquer, attendez, je suis pas prête du tout pour lancer le bombe là. Ah oh, si là vous êtes fait mal quand même. Ah merde, il faut que je vise un peu peut-être. Ah oh, je suis déjà en train de crever là, mon perso est en train de mourir. C'est ça. C'est pas ça. Ça. Ah ok, donc ça vise comme ça et je vise n'importe comment. Très bien. En plus, j'ai plus beaucoup de bombes de ce que j'ai compris. Et puis, elles se rechargent pendant 4 heures, mais c'est vraiment, c'est naze. Jamais vous mourrez. Immunisé. C'est pourri les bombes. Je suis vraiment pas contente de ça. Hein. Bon, je vais prendre des autres bombes la prochaine fois. Alors attendez, je vais soigner mon perso du feu parce que j'ai besoin d'elle. On va donner une petite brochette de poulet. Voilà, une petite soupe de radis. Non, pas ça. Une petite soupe de radis. Voilà. Et maintenant, on va attaquer les monstres qui nous font chier là. Wow! Ok, lui il est arrivé ou quoi? Ah, c'est bon, oui, c'est bon. Qu'est-ce qu'il fait? Il croit qu'il va manger. Bon, allez, je vais crever, oui. En plus, il me reste encore plein d'ennemis qui vont arriver là. Des renforts arrivent. Je m'y attendais pas à celle-là. Oh non, il y a une grosse brute dans le corps. Oh, il a beaucoup. Si, tu as déjà vu ce bouclier? Je suis pas sûre de bien connaître ce bouclier là. Wow! Non! Pourquoi il a changé de trajectoire au dernier moment? Oh! Ah, ça marche trop bien la bombe sur lui! Il a pas du tout aimé. Merde. Et rééquiper les bombes là, c'est l'enfer.
J'ai pas très bien visé là. C'est pas hyper bien visé. C'est pas grave, j'ai gagné des... Combien? 300 Ligne Arpastum. Hop, petite fleur au passage. Eh ben c'était pas pratique. Je crois que j'en ai plus beaucoup. Deux. Ouais, il faut que je change de bombe là. J'aurais dû prendre en photo la photo. Mais oui, mais enfin c'est n'importe quoi. Et Kikone, moi je pensais pas que ça allait disparaître. Riaz, non. PS4. J'ai pas de PS5. Parce qu'on peut pas les acheter, c'est impossible. Donc je joue sur PS4 pour l'instant. Bah faut bien viser alors avec les bons. Merci pour votre GG. Et Rumnir qui est là d'ailleurs, il avait rien dit avant si. Il faut bien viser par contre parce que sinon ça marche pas très bien les bombes. Alors, je vais changer du coup parce que là j'en ai plus que deux. On va mettre. Ça là j'en ai 40. Bah, je vais faire ça là. Équiper. Voilà. Et on va aller au prochain endroit pour tuer des bestioles. C'est où? C'est ici. On y va! Ah oui, c'est ça, il est arrivé il y a pas longtemps, Rémi. Donc bonjour à toi. Shadow, il a tout finalisé hier. Plus rien à faire sauf massacrer le nouveau boss pour les matériaux de Kazuha. Ah bon? Le nouveau boss? Tu veux dire, tu vas le faire en boucle, le boss? Faut que je fasse je vais le faire après, je pense, une dernière fois, le boss, là. Pour avoir mes trois fois. J'ai pas le temps pour vous, les gars, là. Le blob, à con. Merde, j'ai plus d'énergie, j'essaie de voler. Il a fait... c'est où, le camp, là? En dessous, non? Dans le trou? C'est là en fait. Géronimo! Ah, c'est eux. J'arrive. Restez calme, j'ai des bombes pour vous. Hop, j'équipe la bombe. Bim! Ils sont pas contents. Encore raté. Même s'il y a un temps de rechargement de bombes aussi. Oh! Je reste loin et je vais faire ça, ça marche beaucoup mieux. Arrêtez de m'envoyer de l'eau, je suis un perso d'eau, moi je crape à l'eau. Qu'est-ce qu'il croit ce petit magicien pour lui? Tu as raison, Nia! Très bien, tu as raison, Nia, que ça. Ils aiment pas. Ça les one shot un petit peu. Bon là j'ai raté. Il y avait les autres devant aussi. On se calme. Allez. Il est pas mort. Mais enfin il y avait son bouclier en même temps, c'est normal. Attends. Sois pas vénère. Ton heure arrive, t'inquiète. Tu lootes des trucs? Rien. C'est l'événement et il n'y a rien qui tombe. Hein. Il est où? Oh. Ok, tu veux des bombes? Pourquoi ça ne veut pas charger? Ah oui, je suis plus dans la zone là. Il est où la zone de défi en même temps? On s'est un peu éloigné de la zone de défi apparemment. Retournons dans la zone de défi. Qui était où? Mais non, c'est juste que lui c'est un blob à la con en fait. J'ai terminé mon défi, je ne comprends rien. Ou alors c'était pas du tout la clé que je vais être. Me saoule lui. Non, je peux pas l'utiliser. Eh ben. C'est pas un homme du défi. Ouais, d'accord, je vais remarquer maintenant que c'était pas un mec du défi. Mais qu'est-ce qu'il foutait là aussi? Pourquoi il m'a attaqué? Bon.
vous racontez là? Eh, mais vous parlez de ouf! Ah, 7ème ou 8ème combat du boss? Je n'ai pas addict au poule, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ikoko est complètement ouf. On pense qu'il s'est fait enlever, que ce n'est pas lui qui tweet, enfin, qui parle en ce moment même, tellement il dit des trucs pas logiques. Des gyoza, miam! Attendez, mais j'ai faim maintenant que vous parlez de bouffe, hein. Quelle heure il est là? 20h15, ok. Les armes. On sait que les armes, c'est moins fun que les persos. Non, mais il est pas sur l'île, l'autre, il est ailleurs encore. Où est le défi suivant? Ici. Allez, on y va. J'ai même pas vu que j'avais fini mon défi. J'ai dû gagner des arpastoum là, et j'ai même pas lu. Mais oui, je suis d'accord que les bannières d'armes, c'est chelou quand même. Hein. Coucou Avziot, j'ai vu que tu jouais tout à l'heure, non? C'est toi qui jouais? Les mini arpastoum là, montrez-moi combien j'en ai, ils sont où? Ils sont là? C'est pas ça. Là, il me reste 34 comme ça, c'était assez efficace. Nulle part. J'en sais les gagner, ils sont censés quelque part. Dans quoi ça peut être rangé? Ici? Non. La farine, c'est là-bas, on met de la farine, on met pas. Ils sont nulle part en fait, on peut pas les voir. C'est comme les primogèmes en fait, c'est des trucs. Relou. Si, oui, mieux, j'ai chaud, mais du coup j'ai mis un petit ventilo qui apparemment ça s'entend pas trop dans le stream parce que ça fait du bruit quand même. Donc ça va. Parce que ça souffle quoi. J'ai mis un truc soufflant. Ah, le journal de l'art. Avec ce superbe pseudo. Bienvenue à toi. Je sais qui tu es. Et les gens, ne vous inquiétez pas. Il a un pseudo bizarre, mais ne le bannissez pas. Ce n'est pas une personne étrange. C'est une personne tout à fait normale. Et grâce à ce pseudo, il a gagné un cadeau d'ailleurs. Tellement voilà, il a gagné un gobelet magique. Il a gagné un gobelet Team G1. Quand même, qui peut se vanter d'avoir un gobelet comme ça? Le journal du lard, ça fait trop rire ça. Ah là 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 là. On a vraiment des gens chelous sur ce chat. T'en es pas où repasse ton truc encore avec Yokun? Bah alors, faut se réveiller sur l'event de l'été, hein. Il te reste que 14 jours, je sais pas quoi. Ah oui, en plus t'as eu plus d'internet, ta connexion t'est coupée. Bon, si j'entendais pas le ventilo, c'est parfait. Qu'est-ce que j'ai dans mes cheveux? C'est une fleur de tiare, parce que c'est l'été, vous voyez, il y a les pastèques, les fleurs de tiare, les aloha, voilà, c'est événement estival, donc je me mets dans le... Je me mets dans l'ambiance, moi. Tout ça pour jeter des bombes sur la plage. Désolée, mais ok, on fait tout ça quand c'est l'été. Alors, on va aller faire taper des monstres hein, encore. Ils sont où d'ailleurs? Est-ce qu'ils sont là? C'est pas là? C'est lesquels? Ça doit être eux là. Il n'y a pas de mec en glace donc. Il y a un très gros monstre en dessous, je veux pas le faire lui. Hein. Éliminer tous les ennemis. Mais tous les ennemis de quelle zone? C'est eux alors? Mais non, mais là aussi les gros. Très très gros. Super pseudo Eddy Mouikmouik. Ouais mais lard ça peut... Enfin justement c'est le... C'est la subtilité. Si on peut pas prononcer le D du lard, ça n'existe pas en français. Il faut rester subtil. Mais Jadot on sait que t'as tout poncé, ça on a bien compris. Canard plus. C'est exactement ça. Attendez, pas de monstre, je suis en train de cuter. Hein. Oui Riaz, sinon j'ai passé une bonne journée. Mais il fait quand même chaud chez moi, donc c'est pas très agréable. Heureusement en ce moment il y a des orages, donc ça va mieux. Dès qu'il y a des orages, ça... Il est énorme lui là, j'ai pas trop envie de me battre contre lui. Hein.
Déjà, je vais virer Barbara de mon équipe parce que je ne peux pas faire des combats avec Barbara, c'est pas possible. Je l'ai juste mis pour vous montrer son maillot de bain. Donc, vous voyez, la belle tenue estivale, c'est bon, on a vu. Maintenant, je vais prendre des vrais persos. On va mettre Noël parce qu'elle a un bouclier au moins. Ah, quelqu'un qu'il va falloir bannir. Qui dit que je suis vilaine? Je suis pas vilaine, hein. Alors, équipons une petite bombe. Visons. Et on tire. Ouh, il est pas content. Il est pas content du tout. C'est pas moi, c'est le crabe. Oh putain. Laisse-moi sortir de là. Ah, il est bloqué. Très bien, reste là. Non, 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 reste derrière le truc. Je vais me faire massacrer par lui, il est trop fort. Bon, j'arrête les détours des bombes, ça sert à rien. Ok, c'est mal barré cette histoire. Attendez, je le soigne. Putain, je suis au stress. Je sais me rappeler plus qu'ils étaient si forts, les titans machin là. Mais oui, Kyokun, elle avait plus internet. C'est quand même une excuse pas mal pour avoir du retard dans le DLC. Oui, alors Barbara, elle est sûrement bien, Calveros, mais j'ai pas eu le temps de la monter, enfin de vraiment faire un perso ni quoi que ce soit avec. Donc pour l'instant, mec, il est content, il fait des bannes. Pas mort de rire. Oula putain, pas mort de rire. Bon, je me pousse en bas. Je fais pour. Mais elle reste en bouger. Il est super vénère, hein, lui. Bon, alors attendez. Ah, mais s'il peut essayer. Ouais, mais il est trop bon. J'ai rien dit. Ah, mais petit magicien qui me fatigue aussi. Bon, je vais aller taper avec des bombes. Merde, j'ai lâché ma bombe. Je vois pas ce que je fais, la caméra là! J'ai cassé son bouclier, c'est déjà pas mal. Alors, je recommence. Bon, maintenant, s'il prend une bombe, il va pas bien le vivre. Merde, c'est pas ça du tout que je voulais faire. Je vois ma bombe. Quel enfoiré. Oh non, il a de nouveau son bouclier. Non, il a plus rien encore. Mais en train de me saouler, hein, je vous dis. Laissez-moi partir. Arrêtez de me bloquer dans vos conneries. Ah, oh, mais je suis dans l'eau. On va profiter de la plage tranquillement, hein. Je suis là, je veux bronzer. Et non. Mais ce petit magicien de merde là, il commence à tuer. Il est en train de m'énerver, oui. Allez! Bombe, bombe. Laisse-moi te viser. Oula, j'ai visé un endroit un peu. Oh non, elle a remis son bouclier, putain! Je suis pas du tout été rapide et je fais n'importe quoi. Vraiment trop trop chiant. Genre, éliminer des villages de mobs. Mais c'est pas des mobs ça, c'est des putains de titans. Bon. Au centre. Voilà, Noël, elle va casser son bouclier. À un moment donné. Oh, il est hyper violent. Il en fait un petit coup. Ah, il aime pas ça. Ah si, ça lui enlève la vie même à travers le bouclier, là, bon. Plutôt bien.
plutôt bien. Ah, ça, ça marche plus quand tu l'as bloqué, ça sert à rien. Ok, ok, ok. Ok. Pas la nuit, la loue, je me promène. Il y a juste un mec qui me suit, qui est pas sympa. Elle a plus de vie. Ah, il est bloqué, non. Après, j'aime pas quand ils sont bloqués. Parce que des fois, ça les fait bugger et ils reprennent toute leur vie. Ils reviennent à zéro et ça. Ça, je suis pas très très fan quand ça arrive. Ah, il a pas réussi à sauter. Oh, on est coincé. Oh, on est coincé, on est pas content. Tu vas mourir là? Putain, c'était dur ce camp. Fouf. Trop chiant. Tout ça pour 300 Arpastum là, je sais même pas ce que c'est. Alors, qu'est-ce que vous dites? Parce que du coup, j'ai tout raté. Barbara C6, Barbara par là, Barbara par ci. Faut l'amener dans l'eau. Ouais, mais dans l'eau, à quel moment? Il sait nager, il est grand. C'est-à-dire que là, moi où j'ai plus pied, lui, il a pied encore. Non? Coucou, il fait 5 étoiles. Ah, c'est pas mal ça. Oui, bref, tu vois que j'ai un bout qui a banni quelqu'un. Ok, je vais demander ce que vous dites. Ah, il y a une blague de... Ah, Santa Barbara, putain. J'ai compris la blague de Santa Barbara. C'est vraiment n'importe quoi les blagues ici, hein. Kodoki qui demande à boire, je sais même pas qui tu es, tu n'as même pas dit bonjour, tu crois que je vais boire? J'ai que de l'eau de toute façon. Je vais boire de l'eau, il y a pas de problème. Mais parce que pour une fois je suis pas en mode apéro, je suis sage, c'est un moment sage. Mais les gens ninja là, vous êtes bizarres. Est-ce qu'on a tous compris la blague de Santa Barbara et que Kun, tu déduis qu'on est vieux? Non, il a dit tout le monde au Niag, il a pas dit juste moi, il a dit tout le monde. Hein. Ah merci pour vos GG, parce que franchement, le titan là, c'était bien relou. Hein. Oui, oui, il faut faire ça. En plus, t'as raison. La dernière fois, j'avais. Faut pas du tout que je prenne Tinkyu. Alors, il y a déjà de l'eau partout, donc ça sert à rien de les mouiller. Mais tu as totalement raison. Kaya qui fait de la glace, c'est quand même vachement mieux pour les mecs qui ont les pieds dans l'eau. Ils sont là, genre plouf plouf plouf, tchit, et puis ils sont tout gelés. Et après, ils arrêtent de m'attaquer. Donc, ton astuce de débutant, Mugmik, elle est vraiment tout à fait pertinente. Je vais changer tout de suite d'ailleurs. Oh, attendez, j'aime bien mon petit Kingyu là, mais. Bye bye! De toute façon, là j'ai fini les trucs de. Les quêtes de Harpastum, non? Je vais aller voir la boutique. J'ai pas besoin d'en faire 1000 par jour quand même. Jado, il va me dire il faut tout faire 250 fois dans le jeu, c'est normal. Voyons. Ici. C'est là, hein, la boutique du jeu. Ah, voilà. Il y a un petit point d'exclamation qui dit que j'ai gagné des trucs. Nettoyer 3 camps de monstres. Ça, c'est fait. Je prends ma récompense. Tuer un titan. Ça, y a pas. Utiliser des bombes explosives pour éliminer 3 fois les ennemis. Ça, c'est fait aussi. Nettoyer 6 camps. Ah, il faut encore que j'en fasse 2. Même ça, je le ferai les autres jours. Je vais pas faire tout la même journée, hein. Utiliser des bombes directes. Ça, j'ai pas fait encore, les bombes directes. Utiliser des bombes explosives. Ça, j'ai enlevé parce que j'ai pris les autres trucs. Ok. De toute façon, il va falloir que j'aille refabriquer des bombes. Là, j'en ai plus assez. Hein. Ah, il écrit fabriquer des bombes. Non, mais je vais pas fabriquer des bombes ici. Je vais aller à la boutique de l'événement. Ça, j'ai tout acheté. Vous voyez, il écrit épuisé partout parce que j'ai tout acheté. J'ai fait le magasin, j'apprends tout. Ça, tout le stock, j'achète. Douze camps à vider. Ah, d'accord. Ben merci de l'info. Effectivement, j'avais peut-être raté l'info. Ouais, c'est vrai que. Mais là, il faisait de la pluie, non? Il faisait des. Ouais, je sais plus ce qu'il faisait. Oui, Revenur. Oniek va t'expliquer. Voilà. Oui, le jeu est basé sur la réaction que l'inventaire revient parce qu'on dirait qu'il y a des trucs trigger pour chacun. Il y en a un, tu dis coffre ou poule, ça le réveille. Il y en a un, tu dis personnage et truc réaction élémentaire, ça réveille Onieg. Et Diado, tu dis Husbando, ça le réveille aussi. On a tous des triggers dans le jeu. Ah,
avoir plusieurs persos du même élément, ça donne un bonus. Je savais pas. Mais en même temps, j'ai pas assez de persos pour avoir du même élément. Moi, je fais souvent eau plus feu ou gel plus feu. J'aime assez. Gel électricité, je fais pas souvent, non. Lui, c'était un mob géo. Mais j'ai bien fait de prendre Noël pour casser son truc de géo, Niag, on est d'accord. Alors, la boutique des healers. Ouh là là, j'en ai 1200. Qu'est-ce que je peux acheter? Des meubles. Oh, des meubles. J'ai pas encore les trucs des meubles, mais bon. Ça, c'est du bonus à la con. Et ça, c'est quoi? Les comptes de Dodoko. L'aventure Dodo. Ça sera quoi, ça? Un livre pour enfants rempli d'histoire. Vous foutez notre gueule? Bah, je vais le prendre quand même, de toute façon. Fragment d'innocence. Matériau de raffinement spécial des comptes de Dodo. Ah, mais c'est une arme, ça? Ah oui, c'est une arme 4 étoiles. Ah, c'est bien. Ben, je vais prendre. C'est une arme un peu naze, mais bon. Ah, voilà, c'est Odiag qui me confirme. C'est une arme 4 étoiles avec de quoi la raffiner en 5. Ouais, c'est pas mal quand même. Ça va jusqu'au rang 5? J'achète. Oui, à moi maintenant. Et j'ai plus assez d'argent. Hein. Ouais! Par contre, j'ai aussi acheté ça, qui sont des meubles. C'est quoi? C'est des petits ballons? Ah, mais c'est les bombes, non? C'est un tas de bombes? Ça, c'est une étagère, hein? Voilà, une étagère. Ils disent trésor de l'océan, blablabla, c'est une étagère. Et ça, par contre, ça, je veux absolument aussi. Le récital de la sorcière. Le petit mégaphone, là. Et ça, ce sera pour plus tard. Ça, c'est un peu aux F. Ok, il faut quand même que j'aille gagner plus de points. Hein. Bon, ben voilà. J'ai une arme. C'est une très bonne arme pour Cléo Yanfei. J'ai une autre perso qui utilise des livres aussi. C'est. C'est qui d'ailleurs? Mais c'est Barbara, non? Ah non, et Lisa. Qui utilise des livres ou des prismes là, quand même chelou là. Catalyseur. Barbara, avec son livre. Elle a un livre de merde d'ailleurs, je vais pouvoir lui changer parce qu'elle a un truc 3 étoiles. Donc je pourrais lui donner une arme à 4 étoiles. Allez, regardez, regardez mon livre pourri, je vais le remplacer. Bon, je l'avais qu'à monter au niveau, mais. Par celui-là. Tiens, qui sera beaucoup mieux. Voilà. Bon, pour l'instant, elle est niveau 1, c'est un peu pourri par contre. Enfin, je le monte. Pour les bonus élémentaires, quand tu sélectionnes tes persos, tu peux voir les fameuses résonances. Ah oui, c'est possible, je regarde jamais. Mais t'as raison, il y a ça. Voilà, tous les magiciens. Tous les magiciens, ils ont tous des bouquins. Non? Parce que Ching Qiu, il a un livre, mais en vrai, son arme, c'est une épée. Juste, il lit des livres. Oh, mais oui, quand même, les artefacts, c'est si simple. Tu veux vraiment que j'explique ça dans mon guide des débutants? Le truc écrit artefacts et puis tu mets les trucs dessus. J'ai dit qu'il fallait aller partout où il y a des petits points d'exclamation, il fallait aller voir. Donc, au bout d'un moment, les gens le trouvent. Ningguang. Je fais pas Ningguang. Que tu auras un jour. Ah, ben Niag, il est gentil, il pense que j'aurai tous les persos. Certaines armes 3 étoiles sont parfaitement adaptées. Oh là là, qu'est-ce que tu m'embrouilles avec des stats compliqués là, Onyeg. Moi, je mets que des grosses armes. Hein. Mouik Mouik, t'as pas compris l'intérêt des artefacts, ça rajoute juste des points. Ça te rajoute des points. Là, par exemple, en haut, il y a écrit PV max plus 1465, attaque plus 44, défense plus 83. Et en plus, j'ai des bonus de 7. Ça rajoute des points pour les personnages, en fait. Un crabe. J'ai attrapé le crabe. Crabe plus 1. Genre, taper des monstres, moi, ça m'intéresse pas. Je pense que je vais aller à la pêche au crabe. Les crabes, vous êtes où, les copains? Hop, une fleur. Hop, une fleur.
Ça m'énerve, ça a attrapé les trucs, c'est tellement pas pratique. 12 camps, vous me dites, ça fait beaucoup. On va pas faire tous les camps maintenant. Hein. Je vous ai montré un peu les camps, je vous ai montré la course de rapide. On va aller faire le boss peut-être là, et puis j'arrête. Ouais. Par contre, le boss, je vais en chier ma race. Hein. Déjà que le titan qui était facile, j'en ai chié. Après, peut-être que les bombes. Est-ce que les bombes ça aide bien dans ce boss? Je ne sais pas, peut-être. Une épée 3 étoiles et la baisse pour Albedo par exemple. Albedo, j'aime pas Albedo. Perso 4 étoiles, tu finiras par les dropper sans souci. Ah bon? Je ne veux jamais avoir. Mais. Ouais, bon. Faut que je joue pendant des mois et des mois. Mais vous pensez vraiment que je vais avoir plein de persos 5 étoiles et tout? Faudra que je lise les descriptions. Mais quick, il lit rien. Et après, il dit, j'ai rien compris au jeu. Faut tout lire. Il écrit des trucs partout. Non, mais après, les persos optimisés, voilà. Par exemple, dans les artefacts, il y a des trucs qui rajoutent des points en attaque élémentaire. Et quand t'as un perso qui est magicien, il vaut mieux lui rajouter des points en attaque élémentaire. Lisa, par exemple, elle fait de l'électricité. Lisa elle fait de l'électricité, elle a pas d'épée donc tu lui mets des trucs en attaque élémentaire. Les autres tu lui mets des trucs en attaque pure parce qu'ils ont de grosses épées. Enfin, c'est logique. Faut pas utiliser les bombes, d'accord. Mais la Miomni t'es encore là, je pensais que t'étais partie dormir depuis le temps. Donc pas de bombes contre le boss, d'accord. Mais oui, c'est comme un RPG lambda, comme dit Onyeg. Enfin, en gros, dès que t'as des objets, tu les équipes. Alors, vous m'avez tous dit pas de bombe, ok. Oui, mais des 4 étoiles, j'en ai, hein. Attends, et mes personnages sont tous 4 étoiles, non, quasiment. Il y a de nouveau un chien, mais oui, qui est sur ses modes de chien. C'est écrit où, les étoiles? Il n'y a pas, en fait. Bon, c'est pas grave, je sais pas moi, je pensais qu'ils étaient tous 4 étoiles ces personnages là. Attendez, moi si je mets les modes du chien qu'on a gagné tout à l'heure, elle est trop bien. Le chien. Le chien du train de la hype. Ah voilà, c'est ça, ils sont tous 4 étoiles. Tu décuves mais tu tiens plus. Voilà, oh, Miomni, il est tout bourré du vendredi soir. Oui, il met des chiens aussi. Mais va te coucher, la Miomni, voyons. Bois beaucoup d'eau. Par contre, tu bois un litre d'eau. Ça, tu fais pipi toute la nuit, mais ça ira mieux. Ah, mais elle est là, Barbara. Pourquoi elle est dans sa tenue... Ah oui, ils se sont changés. Ça me revient. La tenue estivale, ils l'ont tenue 10 secondes dans le DLC. Après, elles se sont toutes rechangées. Parce que pour la bagarre, elles ne sont pas être habillées en maillot de bain. Alors, mes persos... Il faut que je leur donne de la vie avant d'aller à l'attaque. Par contre, ils peuvent plus manger maintenant. Donc j'attends un peu. Hein. C'est naze ça. Donc pas de bombe. Ouais, mais du coup, je voulais pas. Je prends la glace ou pas? Ouais, la glace c'était pas mal pour lui en marque. Bon, je vais essayer comme ça. Alors je prends l'eau sinon. Non, la feu, ça marchait bien sur lui. Je sais plus ce qui marche bien contre ce boss. Merci la Miomni, bonne nuit. Bois de l'eau, n'oublie pas. C'est vrai, non, ce week-end, je suis pas là. En fait, c'est pour ça que je stream ce soir, c'est parce qu'après, je pars. Encore. Et du coup, j'aurai pas ma console. Je pouvais plus jouer. Mais allez, la semaine prochaine, je reviens. Et là, je vais jouer de nouveau à fond. Mais merci de proposer ton aide, en tout cas, ça fait plaisir. C'est un boss anémo. Ah d'accord. Pas de faiblesse. Personne n'est disponible pour venir m'aider contre le boss par hasard. Je te demande ça comme ça, à tout hasard. Parce que je dois arrêter de streamer à 21h. Bon, je vais quand même pas mettre une demi-heure pour le battre. Mais... Si jamais quelqu'un est là... Ah, je peux venir, pas de soucis, me dit Onyeg. Oui. Parce que quand même, on y arrivera plus facilement à deux. On est d'accord. Merci la Miomni. Bah oui, je suis profite de mon week-end. Je vais à la campagne un petit peu. Sans Genshin Impact. Mais c'est pas grave, c'est bien aussi d'être un peu au frais. Tu lances le jeu. Ben alors, Onyeg, je croyais qu'il était allumé toute la journée chez toi. C'est ce que t'as dit la dernière fois. Tu disais des mensonges.
Alors, bah du coup, je vais mettre le. Ah, je vais mettre le online pour qu'on puisse venir entrer interdit, Jamie, maintenant. Entrer sur demande, voilà. Entrer sur demande. Alors, McQuick, tu pourras pas venir aider parce que. En fait, le multi, ça marche que tu peux aller que dans le monde des gens qui ont un niveau inférieur au tien. Donc, comme moi, je suis niveau. Comme moi je suis au niveau d'aventure 35 et que toi t'es au niveau 25, je peux venir chez toi pour t'aider, pas de soucis. Et toi tu pourras pas venir chez moi par exemple. Parce que les ennemis sont trop forts pour toi du coup. C'est réglé comme ça. Oh, Giano, il a mis sa PS4. Wouhou! Oui mais alors si on est 3, le boss il va pas faire enfin je vous le dis. Je suis devenu accro au jeu, Romur, pas du tout. Je pars pas 2 jours, je pars 5 jours. Mais on va... Ah, merde, attends, pardon, j'ai pas vu la... Ah, j'ai raté. Relance la demande, excuse-moi, j'étais en train de dire des conneries, du coup j'ai pas vu. Ah. Accepte. Ah, par contre, j'aurais dû accepter les deux en même temps, je crois. Je sais plus. On y est. Oh, c'est clé. C'est trop mimi. Qui court comme, comme Naruto, là. Je veux que tu m'appelles Onesan. Quoique non, c'est Onichan. Onisan. Alors. Par contre, ça fait 2 jours que je n'avais pas joué, donc j'étais un peu en manque. Il nous manque Jado qui va arriver, non? Il va arriver après. Que Kun, je sais, tant pis, c'est pas grave. Ah, tu bossais pas aujourd'hui. C'est un peu bizarre, dit comme ça, tu joues au jeu que quand tu bosses. Tu me mets en fond, Riyad, d'accord, merci. Tu vas manger, bisounours, pas de soucis. Ah, t'es sur PS4 toi aussi. Comme je disais tout à l'heure, je sais pas si t'étais déjà là ou pas, bisounours, du coup, faut qu'on soit amis sur PlayStation pour pouvoir s'ajouter dans le jeu. Oli-san, Oli, on entend toujours son nom dans tout ce qu'on dit. Bon, alors, Jado, il a lu tout sa PS4, c'est long. C'est marrant comme elle court quand même, j'avoue. Du coup, quel niveau ta clé là? Ah, ça va de courir pour noter. Ouais, Onyeg est toujours crâneur. Hein. 80? Panier 6? Ah, 80. Tu viens pas de l'avoir? T'as dit que tu l'avais eu tout à l'heure il y a pas longtemps. Pourquoi le temps a changé et la musique aussi là? Qu'est-ce que c'est? Oui, je sais que tu veux manger ça des poissons, mais calme-toi. Petite chine 67. Je vois. Ah! J'ai trouvé le bruit cette fois. Imaja, isogashikute, kubi ga mawaranai nda. Il est où? Ah, il arrive. Jado! Oh, il a le perso que je veux aussi! Trop bien ce perso, je sais plus comment il s'appelle. Eh ben, on est pas mal, hein. Allez, on va taper les monstres. Bonne soirée, bisounours, à bientôt! Oui, je pense que le boss, ça va aller. J'étais un peu frileuse de le faire toute seule, mais là... Je me sens déjà un peu plus en confiance. Je fais n'importe quoi. On attend. Il se réveille. Et là on fait. Eh, c'est quoi son score en fait? J'essaie de pas me faire toucher par les attaques fantômes pour gagner le bonus là. Il y a des bombes de clés partout. Je suis en train de mourir. Quoi, déjà mort? Oh, c'était difficile, hein, ce boss. Vraiment, on a galéré de ouf, hein. Regarde, ces petites bombes, là. Elles explosent pas, du coup. Je peux marcher dessus. Elles sont trop mimi. Ah, si, elles explosent, quand même. Alors, qu'est-ce que j'ai gagné? Ouais, des trucs. Ah oui, c'est les mécanismes Oni, c'est ça que tu parlais tout à l'heure, Jado.
Pour les récupérer pour plus tard. Ouais, il y en a un qui fait des attaques à 20 000, j'ai vu aussi, ça m'a fait peur, Big Big, je me suis dit, merde alors. je dis un, mais je sais très bien qui. Hein. C'est un peu de crâne. Et Kyokun même me dit que vous êtes des crâneurs, t'imagines? Si c'est des chiffres rouges, c'est moi. Non, Niag, il a... Ah, vous voulez faire une petite photo ensemble? Attendez, j'arrive. Hop. Alors, comment je fais la photo ici? Pas mal. Comment ça, nope? Ah, mais je suis encore en mode photo là. C'est Jado, tu te dis non à la photo? Genre, non, j'ai droit à l'image quand même. Attends, c'est les chiffres bleus. Ouais, non, mais bon, ben, bah, y'a plus de boss. Hein. Vous êtes venus et maintenant y'a plus rien à faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ou alors on part faire un autre boss dans le monde normal? Kyokun, il râle de pas être sur les photos lui. C'est vrai qu'on fait quand même la meilleure team de 4. Bon. Il y en a trois qui sont un peu plus forts que l'autre, mais... mais quand même. Ah, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Non, ça vous embête de faire un autre petit boss tant que vous êtes là? Mais dans la vraie carte, alors. On va voir qui. Je ferais bien le monstre de l'eau, moi, parce que j'ai besoin de trucs d'eau, toujours. Pour Chinkyu. Vous me suivez. Alors, par contre, l'eau, c'est ici, non? C'est ça? Non, c'est pas lui. C'est lequel, le monstre de l'eau? Je vais essayer de vous retrouver sur la carte, puis comme ça je vais trouver aussi. Au nord. Au nord de ici, non? Attends, de la Chine? Nord de la Chine? Ah ouais, vous êtes là. Je vous vois. Ah oui, je me souviens. Bah, je crois que je me souviens. Non, je me souviens pas en fait. Ah si, il est là, ok. Point de téléportation. Allez, on y va. Andros, il s'appelle l'eau? Ça, c'est fort de fruits. Si on téléporte ailleurs, il va respawn. Ah, il va respawn. Bah, si vous voulez, on le refait. Mais vous gagnez pas les. Quand on fait le boss du Japon, là, du Nazuma, vous gagnez juste. Si vous prenez la fleur, vous gagnez pas les bons éléments. Donc, ça sert à rien pour vous. Genre, Jado, il a dit qu'il avait déjà dépensé toutes ses résines et tout. On ne peut pas lui faire dépenser des trucs ici. Par contre, j'attendais, je soigne mon Kaya là. Quand même. Même si vous êtes très fort. Ouais, j'ai quand même plus du tout de vie là. Ouais, catastrophe ça. Merde. Je vais donner une soupe de radis. Hop, une petite soupe pour toi aussi. Ouais, vous gagnez. Non, mais vous gagnez ça, c'est mieux pour vous. C'est juste pour aider. Oh, vous êtes trop mignon. Tellement gentil. Ça rame à donf parce qu'on est trois et il pleut. Oh, c'est joli. J'avoue que les boss toutes seules, j'ai fait que les arbres pour l'instant, tellement je flippe. J'ai pas du tout fait ni celui-là, ni l'espèce de sanglier de pierre là. Donc, faudra que je fasse des boss toute seule un peu à un moment donné quand même. Bon, c'est ici pour lancer. Vous êtes prêts? On y va! Ça, j'en ai vu sur les îles. Il y en a des monstres d'eau comme ça. En mode des crabes et tout. Ah, j'ai tapé un truc. Wow, elle m'a jeté sur moi. Elle vise un peu, meuf. Ah, les plateformes disparaissent. Oui, j'avais oublié ça. Pas de problème.
vous avez tous pris des... Ah mais oui, il est en hauteur ce monstre, je vous oublié. J'ai envie de prendre mon perso du feu. Je vais prendre Yang Fei, j'ai fait n'importe quoi. Oublié là. Oh non mais ils sont forts en fait. Attendez quoi? Fallait où? Ah non, il y a la grenouille. J'ai gagné un trophée! Ah non, ça il faut éviter. Oui, j'ai pas pris le bon perso, les bons persos, je pense. C'est pas grave. Donc non, elle envoie que des attaques. Ouais, cette boss elle est très chouette, Midwick. Mais elle est très méchante normalement. C'est juste que là, je suis un peu aidée, vous voyez. L'écureuil d'eau là, j'ai pas le temps de le voir et je suis un peu nourri. Il est déjà coué, pourquoi je le coué donc? Oh, elle est morte. Oui, on a gagné. Merci les copains. Merci les amis. Ah, j'ai plus beaucoup de vie, j'avais même pas vu que j'étais en train de mourir. Alors, qu'est-ce que j'ai eu? Oui, j'ai des trucs pour mon bonhomme de l'eau, je suis trop contente. Des montres, on s'en fiche des montres. Là, on n'a pas besoin de savoir l'heure dans ce monde. Voilà, des cœurs d'eau pure. Trop cool. Merci, avec ça, je pourrais monter mon perso. Youpi. Attendez, je regarde si je dois refaire le monstre du samouraï, là. Si j'ai tout ce qu'il faut dans mon défi. Normalement, j'ai fini tout, non? Ah non! Éliminer la lame sans être touché. J'étais... On a été touchés alors? Abusé, ça! La lame Oni. En disant, j'ai été touché. Bon, bah, du coup, on en fait une dernière fois le Oni alors. Si vous voulez bien. On refait le... Hey, mais arrêtez de mettre le de l'électricité, je vais crever. Refaire le Oni et puis après je... C'est bon. Après je vous embête plus. Après on va tous manger. Bah ou faire autre chose, hein, mais quelle heure va être? Voilà, je suis trop en retard. Pas de soucis pour toi, Onyego, merci. C'est bien, il y a des GG, mais c'est vraiment pas pour moi les GG, j'avoue. Il a pas repop? Oh non, tu m'as dit qu'il allait repop. Peut-être que quand moi je vais arriver, il va reconnaître que c'est moi la gagnante. Pourtant, ce pro, c'est nul. Triste. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Pourri ça. Bah ouais, je sais pas pourquoi. Ah oui, ça c'est vous. J'allais dire, c'est quoi ces persos que j'ai pas? Parce que c'est pas moi. Bon, bah du coup, c'est nul s'il n'y a pas de repop là. Ouais, bizarre. Je sais pas comment le faire revenir. Parce que même en se téléportant, du coup, ça ne marche pas, on a vu. C'est triste. Ah, le bouquin. Ah, attendez, j'ai plus de courant dans ma manette. Carré. C'est l'air, tellement que je suis obligée de... Heureusement que j'ai deux manettes. Alors, du coup, le bouquin. Vous voyez dedans ce boss-là? J'ai même pas vu. Ah. Non, il est pas dedans. En même temps, c'est un boss spécifique, donc il peut pas être là. Dans les donjons, il est non plus. Ah, il y a un onglet boss? Qu'est-ce que tu racontes? Tout en bas. Comment ça, tout en bas? Tout en bas de où? Je suis dans l'ennemi là.
En haut, tu peux filtrer. Ah. Boss. Oui, mais ça me met que ceux qui sont déjà affichés. Non, il n'y a pas dedans. Il n'existe pas. Il y a lui, parce que c'est... Tous les autres, c'est... Ah si, c'est lui, pardon. Qu'est-ce qu'ils disent? 40 machin... Adversaire de Tamna, ils disent pas, hein. Ah, y'a plus de fer. Bah non, il est pas là. Le truc est tout bugué. C'est ouf, ça. Il la repop, mais il la repop à la plage, alors. Le mec, il allait boire un cocktail. Parce qu'il est pas là. Hein. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur l'île. C'est très bizarre. Je vais aller sur l'île des cocktails, justement, là. Quand j'ai ouvert, peut-être qu'elle est où. Ici. Voilà, je vais aller faire des bombes. Et peut-être de ce temps, il va revenir. Ouais, toi aussi t'as la même technique que moi, Onyeg. Tu téléportes, on revient. Oui, alors comme ça, je montre à ceux qui n'ont pas vu cette île. Où on peut se détendre sur des chaises longues, mais on ne peut pas s'asseoir dessus. Donc je peux monter avec mes petits talons sur la chaise longue. Je peux faire de la canne à pêche bizarre, avec un trèfle à quatre feuilles. Pour pêcher de la chance. Les parasols sont grave mignons, par contre. Moi, je veux trop un parasol comme ça. Je suis désolée, mais c'est trop mignon. Il y a des pastèques à un endroit, j'ai vu. Je les trouve. Très important. Il y a ça aussi, il y a des petits jouets en forme de monstre dodo, là. Roi dodo. Et là, regardez, les pastèques. La plage, les pastèques, comme cette pastèque-là. Nickel. Parfait. Hé, hey, on casse pas les pastèques, hein, Clé. Clé, elle veut tout faire exploser tout le temps. Je sais pas, elle est là. On va pêcher des poissons, on va les faire exploser. Tu dis, c'est pas très écologique, ta manière de pêcher. Alors, je fais juste des petites bombes. Lesquelles je dois faire, d'ailleurs? Je sais plus lesquelles j'ai et lesquelles j'ai plus. Voilà, je fais un peu de tout. Je fais 20 bombes comme ça. Je refais des bombes comme ça. Et comme ça. Voilà. D'ailleurs, il y a... Qu'est-ce qui s'est passé? Qui vous êtes envolé ou quoi? Ah oui, vous êtes monté sur un truc. Vous faites des trucs chelous, les amis. Hein. Du coup, il y a deux clés sur cette plage, parce qu'il y a l'autre, la vraie, qui est là-bas. Elle est où, d'ailleurs? Ici. Là, il y a la vraie clé. Et là, la fausse qui arrive en cours. C'est trop bizarre. Normalement, ça devrait s'annuler. C'est comme je disais la dernière fois, je jouais avec une pote qui joue à Aether, là, je sais plus, le frère que je cherche. Et du coup, j'étais là. Bon, ben, ça y est, j'ai retrouvé mon frère, fin du jeu. Alors que ben non. Bon, on réessaye d'aller voir la lame Oni alors. La lame Oni, ce n'est pas l'ami Omni qui était là tout à l'heure. Hein. Oui, t'as vu, Oli, les parasols, ils sont vraiment très mignons. Hein. Alors, on y croit à cette. Il est là! Il est là, on peut y aller! Oui, bon, on y va. Oh, c'est Albedo, Albedo là? En plus, Albedo, c'est ce nom, on dirait un fumeur de joie. Albedo! C'est trop bizarre. Allez! La bagarre! Il faut pas que je me fasse toucher par les attaques fantômes. Mais tout à l'heure, c'était le cas déjà, j'ai l'impression. Donc, je vais rester loin. Quoi? Ah! Pour avoir le bonus. J'ai peur. Ça, c'est vous qui faites des trucs. Je comprends même pas qui attaque. Je sais pas si c'est le boss ou si c'est vous. Alors, j'ai mal barré. J'ai toujours pas compris si je m'étais fait toucher par les attaques ou pas. C'était tellement rapide. Hallucinant. Je l'ai touché deux fois. Trop fou. En fait on a attendu plus longtemps que le monstre revienne que le battre. C'est pas triste ça. Ouais, plein de bonus pour moi. Merci les amis encore. Coupe du chanceux et tout. Non, bien, bien. Trop, trop cool. Les petites bombes, là, trop mignon. J'avoue que Clé, je l'aime bien quand même, mais je suis obligée d'économiser pour Kazuha. En fait, j'aurais... Waouh. C'est quoi, ça?
En fait, j'aurais déjà Kazuha, je tenterais Clé forcément avec toutes mes primogèmes, mais là je. Vu que j'ai déjà raté Chongli qui est là en train de me narguer, que j'ai lancé le jeu et que je l'ai lancé pile au début de Chongli et je me suis dit je veux l'avoir et que je ne l'ai pas eu, je suis très triste. Alors que j'ai fait 48 poules, ce qui n'est pas beaucoup en soi, mais quand même c'était triste. Ça va les gars? Je vous dérange pas? Je suis une photo parce que. Ça, je te jure. Le frimeur là. Si, là, avec son gant. Mais oui. Mais oui, c'est des trolls, t'as vu ça? Je suis dégoûtée. Trop vénère. Alors, est-ce que j'ai eu mon. Pourquoi je suis bloquée? Ah, mais je suis encore dans l'appareil photo, putain. Est-ce que j'ai eu mon. C'est pas là. Est-ce que j'ai eu mon bonus? Non, je trouve pas en fait. Je me suis encore fait toucher par une attaque, ça veut dire? C'est pas possible. On court. Sans être touché par ses attaques fantômes. Mais il a pas eu le temps de faire ses attaques fantômes! Vous êtes sérieux? Vous voulez dire que j'ai été touché à un moment donné? C'est-à-dire toute seule, j'y arriverai jamais si déjà là j'y arrive pas. Ça, vous avez réussi, vous tous les. Tous les trucs. Bon, c'est pas grave, tant pis. Je ferai pas ça. Troller, c'est pas mon genre, Dioniaque. Oui, tout à fait. Ah, Venti fait du vent. Salut! Il faut que j'ai les ailes de mon stat là aussi. Mais la réputation, c'est chiant. Les missions de réputation, c'est très très long. Oui, tous. Bah alors, t'as réussi à battre le boss sans te faire toucher. Alors que même là, j'ai rien fait et je me suis fait toucher. C'est quand même. Ou alors, ça a bugué encore. Parce que là, il réapparaît pas le truc. Bon, eh bien écoutez, je pense que c'est l'heure de s'arrêter. 21h01. Oulala! J'avais dit que j'étais à 21h. J'ai une minute de retard. Je vais manger et tout. Il fait encore jour. C'est vrai que du coup, comme dans les jours les plus longs de l'année, là, seul 6 d'été dimanche. Fin du couvre-feu dimanche. Ça va ensemble. Et bien du coup, je vous dis à tous merci, très bonne soirée. Oubliez le moment d'aboire au moment de partir. Sans le timing. Un peu d'eau, tu as raison, il faut s'hydrater. Pendant que les autres font les fifous là, on se calme. Hein. Par contre, je vais pas rester sur le tarmac du monstre, là, du boss. Pour pas que ça me fasse le gag de la dernière fois, genre après je me reconnecte et genre ah j'ai déclenché le boss sans faire exprès. Donc non. C'est Tartaglia ça? Ah j'ai pas le temps de voir. Mais... Ah il revient. Ah c'est pas mal. C'est pas mal. Il est grand. Ouais, bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup. Le prochain stream sera bien sûr je ne sais pas quand. Bon week-end à vous aussi. Bon week-end à tout le monde. Le journal du lard. Bon appétit. T'as pas été très bavard le journal du lard. Hein. C'est ça quand on est un lardon. Ben, je sais, Kiko, mais une prochaine fois. Par contre, il faudrait que je change de jeu. La prochaine fois, normalement, je streamerai sur un autre jeu. On va varier un peu quand même. Parce que les gens ils vont me dire à Genshin, ça commence à bien faire. Donc, je ferai un autre jeu. Peut-être. Normalement, je vais recevoir un autre jeu. Et après, je reviendrai sur Genshin parce que ça va les donner. Mais je ne veux pas faire que ça, vous voyez. Alors, chez qui je peux vous envoyer en raid? Personne que je connais. Super. Moi, pas de raid ce soir. C'est trop triste, personne ne stream à ce soir-ci. Tout le monde est dehors en train de boire des bières en fait, sauf vous. Re-rias, mais je disais bonne nuit en fait. Enfin, bonne nuit, bonne soirée. Amusez-vous bien, passez un bon week-end. Allez, excitez là. C'est pas grave, je coupe comme une sauvage. Non, il faut que je vous renvoie d'abord. Je vous renvoie d'abord, non? Avant de couper. Ça marche comment déjà? Comme ça. Donc je vous renvoie, je fais retour en mode solo. Bye bye les amis, merci de votre aide. Le mode multijoueur ne peut pas être annulé actuellement. Ah bah d'accord. Ah si, ça a marché. Genre, putain, il n'y a que des bugs. Je peux même pas vous renvoyer chez vous, c'est quoi ça? Obziot, c'est le moment de lancer un stream, comme ça je t'envoie un raid. Genre en mode discret, c'est pas ça que je voulais faire. Ah si, c'est ça. Je suis complètement à la ramasse. Entrée.
entrée interdite. Voilà, entrée interdite, personne ne vient jouer chez moi. Et oui, donc comme je disais, ben, bonne soirée, bon week-end, à bientôt. Le 30 du mois, il y a le Bel Café, n'oubliez pas, hein, si vous aimez le Boys Club, c'est le 30 juin, mercredi soir, 21h30, sur le chat, sur le Twitch de Caroline, Caroline Chan. Mais voilà, je ne vous apprends rien, je pense. À bientôt, des bisous, comme tout le monde. T'as stream tout à l'heure? Bah oui, tu joues à Final Fantasy, j'ai vu. Mais du coup, je n'ai pas pu te faire de raid parce que tu jouais avant. Bye bye, Janet.